La seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi à tous. Et je suis en vacances et je suis très contente. Je suis aussi sur TikTok, sur Baronne Suisse officielle. Vous pouvez partager, envoyer à vos amis et je vais vous donner beaucoup, 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 beaucoup de nouvelles. Partagez le direct, envoyez à vos amis et envoyez ça partout. Voilà. L'unique et la seule baronne de Suisse est là. J'ai retrouvé ma voix, j'ai retrouvé ma santé. Tout va bien. J'étais très malade. Ne voyez pas parce que je n'ai pas parlé, mais j'avais pas de voix, je n'allais pas bien. Mais maintenant, ça va bien. Et là, je suis aussi sur TikTok, je suis sur Baronne Suisse officiel. Partagez rapidement, invitez vos amis parce que ça va aller très vite. Voilà. Partagez le direct, hein. Partagez, mettez sur les pages et pour que je commence à framponner. Hein. Ça va aller vite, 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 vite. Avant qu'on ne commence, je vais... Excusez-moi, je suis encore... Il y a les résidus, hein. Il y a les résidus. Je vais commencer par faire un peu de publicité. Le temps que vous vous installez très bien, vous prenez un jus, une bière, vous mettez à l'aise, hein. Vous mettez très à l'aise. On a une heure de direct chrono et je vais vous expliquer tout ce qui se passe où je vous parle... Apollonie Gono est au niveau du parquet, où je vous parle à l'instant T. Apollonie Gono est au niveau du parquet. Au Cameroun, j'ai discuté avec des gens qui sont avec elle. J'ai discuté avec les plaignants, dont je sais de quoi je parle. Voilà. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Deuxième des choses, je voulais vous dire que... je vais faire un peu de publicité rapidement. Hein? C'est très important. Le clip de Opeta, dans tous les sens là. Hein? Ça sort bientôt. Ça sort après Noël. Ça sort après Noël parce qu'on va vous laisser d'abord prendre Noël au calme. Dès que Noël finit là, on vous balance ça propre. Et puis, il n'y a rien. Et tous ceux qui veulent aller en Côte d'Ivoire là, je vous ai dit, moi, j'ai cassé même les prix d'abord. Tous ceux qui veulent aller en Côte d'Ivoire, nous avons pour 4 semaines, 1 mois, avec Village du Continent. N'oubliez pas. Vous avez le visa. Vous avez le billet d'avion aller-retour. Vous avez 4 semaines. Hébergement de luxe. 8 tickets VIP pour le stade. 3 repas avec consommation. 2 maillots verts et blancs. Transport Abidjan. Yamoussoukro. Pour 4 millions et demi. Vous avez aussi pour 2 millions et demi. Moins cher, hein? Pour 2 semaines. Vous avez à l'intérieur le visa, le billet d'entrée, le billet d'avion, aller-retour dans les 2 millions et demi là. Vous avez l'appart de luxe pour dormir pendant 2 semaines. Vous avez 3 tickets pour le stade VIP pour aller voir les Lions et Yamoussoukro. Vous avez 3 repas par jour dans les 2 millions et demi là. Vous avez 2 maillots verts et blancs. Hein? Vous avez le transport Abidjan, Yamoussoukro. À l'intérieur, pour 2 millions et demi. Pour ceux qui veulent aller voir les lions, non. 2 semaines, bien logé, bien nourri, bien d'avion, tout, 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 tout. C'est dedans. Donc, c'est ça, Village du Continent. Je vous montre où vous allez dormir. Parce que si on vous dit, vous allez dire que nge wo, c'est Achille Mana qui est là. Voilà le repérage. On allait repérer l'hôtel où vous allez dormir. 2 millions et demi, 2 semaines, vous êtes à Abidjan. Tout frais payé. Billets d'avion, hôtel, transport, l'hôtel, partout. Hein? Pour 2 millions et demi. Nous, on a cassé les prix, non? Voilà ça. On vous montre où vous allez dormir. Bonjour à tous. J'espère que... Partagez, non? Sur TikTok, vous êtes déjà 260. Sur Facebook, vous êtes déjà 500. Faites le direct, partagez rapidement parce que ça va aller très vite ce soir. Ça va être violent. Mais un peu de publicité, c'est très important. Je vous montre l'endroit où vous allez dormir. Comme ça, vous n'allez pas dire que, oh, on va dormir. Ou voilà les chambres. Voilà, vous allez manger. C'est la classe. Ce n'est pas, le chambre. Ce n'est pas le chambre. Vous allez dormir. 2 millions et demi.
On a fait les repérages à Abidjan. Village du continent. Venez. Moins cher, moins cher. Je vends moins cher, je vends partout. Venez, 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 venez. Voilà, vous allez dormir. Voilà les chambres, non? Voilà les chambres. 2,5 millions. 2 semaines, vous venez. On s'amuse. Abidjan. Voilà ça. Moi, mais c'est là-bas. Je pas Abidjan, non? Je suis pas Abidjan. Hey. Voilà. Donc, appelez seulement mon numéro ou appelez le numéro si vous venez rapidement. On vient s'amuser à Abidjan. Deuxième chose, on va appeler un jeune là. Il s'appelle Excalibur de Petit Pays. C'est un jeune que j'ai travaillé sur son projet et tout et tout. Il est arrivé à Genève. On avait dit que l'enfant avait pu voyager. On avait dit qu'il n'est pas plus quelque part. Il a dit que l'enfant là va voyager. Il est là. Il est là. Il est là venu préparer son album. Moi, je vous ai dit que tout ce que je touche marche. Tout ce que je touche marche. Ok. TikTok là, il reconnaît pas comment ça marche. Je suis en train de l'appeler. Le luxe insolent, ça va être violent à Abidjan là. Venez. Hmm? Excalibur, tu es où? Le voici ici là. Il s'est là filmé dans tous les jets d'eau de Genève. Tu es dans le noir, mon frère. Comment on va te voir? Tu viens à Abidjan? Tu viens là, il y a la lumière, tu es dans le noir. Non, j'étais. Tu es où? Mets la lumière vite et on voit ta tête que tu es en Suisse. Comment? Voilà. Eh, hey, regardez l'enfant là. Il est mort. Depuis qu'il est venu, il se filme partout. Il se filme, ah ouais. Il voit le bus, il se filme, il salue tout le monde sur la route. Il est trop content. Dis bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Présente-toi. Ouais, ici Excalibur, votre beau ailleurs. Déjà. Donc, il est arrivé en Suisse. Hein? L'enfant s'est souffert, hein? On lui a refusé le visa comme 10 fois. Mais il est là. Il est venu préparer son album. Hein? Et depuis qu'il est arrivé, je vais vous montrer ses photos. Il est comme un esquimau. Comme s'il va partir dans la lune. Il se filme. Dès qu'il voit le bus, il salue tous les blancs sur la route. Il dit que meuf, je savais qu'on m'a refusé le visa 10 fois, non? Il salue. Quand il voit un blanc, il salue. Il salue. Comme les Suisses sont gentils, tout le monde le salue. Et salue. Bienvenue en Suisse, mon frère. Merci ma mère, la baronne, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas. Papa, quel est ton programme ici, non? En dehors de manger le fromage, quel est ton programme? Bon, voilà, déjà la semaine prochaine, je serai à Paris, pour le studio. Mm-hmm. Et l'autre spectacle à Nubel Paris. Uh-huh. En bas de nuit, oui, après je vais respecter ça. Tu joues à Nubel à quand? Chez mon ami Gourou le sec. Tu joues là-bas quand? Le 29 décembre. Oui. Et après? Et le 31, ici à Genève, uh-huh. Chez maman Mégane. Hein? Chez ma mère Mégane? À Genève? Maman, yes. Mais deux. Mais deux. Tu es venu en 2 jours, ton temps a changé. C'est quoi? C'est toute la misère du Cameroun, mon frère. Tu es arrivé hier, ton temps est déjà rouge. Je sais pas. C'est l'eau d'ici, peut-être. Est-ce que tu as quelque chose à dire à tes fans? Quel est ton programme, Tiston? Voilà, tout ce que je peux dire aux fans, c'est que déjà, merci pour tout. Merci pour des encouragements, des partages. Beaucoup, en fait. Donc, je suis trop timide. Tu es trop timide, hein? Nous, on va mettre une boîte qui va te dévier et puis il n'y aura rien. D'accord. Ah bon? Donc, c'est moi ton programme, tu pars alors, tu peux te reposer. Tu continues à te prélasser et saluer tous les watts. Voilà, en fait, déjà, lundi, je suis à Paris. Oui. Pour le studio. Mm-hmm. J'ai une semaine. Pour préparer quoi, ton album, c'est ça? Ouais. D'accord. Avec Bobby James Guimet. Oui. Mm-hmm. Paris, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai une semaine là-bas. Mm-hmm. Donc, après le 29, au Nubel, mm-hmm. Paris, mm-hmm. En boîte. Mm-hmm. Je reviens sur Genève, mm-hmm. Le 31. D'accord. Après. En janvier, je serai en Côte d'Ivoire aussi pour la Cannes. Mm-hmm. Oui, voilà. Bon, c'est tout pour le mois. D'accord. En tout cas, bienvenue en Suisse et je te dis, hein, continue à saluer les blancs à la route. On est gentils ici, non? Les gens sont gentils ici, non? Le père, il salue tout le monde. C'est chaud, hein? Bienvenue, mon fils. Bienvenue, je suis fier de t'avoir accompagné dans ce projet. Je suis fier de t'avoir pris, de te mettre sur la lumière. Et je suis fier que tu te retrouves en Suisse. Bibi de Genève.
Ma fille, Oui, ma soeur, Bibi, je t'adore. Gros bisous. Maximum de cœur pour toi, pour tout ce que tu as fait pour ce petit. Et je suis très fier de toi, Bibi de Genève. Bravo à toi, ma soeur. Oui. Voilà, je voulais dire un truc là. Je voulais dire un truc, me faire purée. Voilà, Andokoti, les gens marchent, se disent bonsoir, bonjour et tout. Alors ici, tu vois, Andokoti, s'il te plaît, mais chacun comme ça. Ouais. J'ai arrivé jusqu'à. Alors qu'on prend les bus là, oui. Les trams, tout ça, oui. Tu vois plein de blancs, tu vois les gens chacun occupés. Mais Andokoti, tu vois, les gens sont tellement serrés. Mais bonsoir, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Ah, c'est pas ici, c'est ici, c'est différent en fait. C'est tellement arrivé jusqu'à. D'accord, en tout cas, bienvenue en Suisse. Merci. Ok, bienvenue, Fiston. Non, salut, Bibi, on va se prendre derrière après, d'accord? Okay. Ma soeur Bibi, je t'adore, bravo pour tout ce que tu fais pour ce jeune. Merci, c'est pas évident. Hein. Ok, maman. Je travaille en collaboration avec mon père Petit Pays. Hein. D'accord. C'est voilà. la famille avec Turbo. Ce sont les enfants de Turbo. Voilà, c'est ça qui est important. Allez, gros bisous. Voilà, c'est le jeune, non? Il est arrivé, non? Le gars là, vous n'avez pas vu ses photos? Attends, je vous montre ses photos. Meuf, le gars là s'est filmé avec les. Je montre vite ses photos avant qu'on continue. Donc voici ici là. Comme un esquimau. Le gars arrivé en bang, meuf! Parti se promener au GNO de Genève. C'est ça, quand tu veux voir ça. C'est bing. Et puis, il n'y a rien. Donc, bienvenue. Bon, maintenant, on va finir. Maintenant, le premier sujet, je voulais vous parler de l'histoire de Apollonie Ngono. Apollonie Ngono, ma soeur, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Apollonie Ngono. Je vais vous montrer Apollonie Ngono. Voilà sa photo. Je l'ai mis en profil. Mais je sais que beaucoup de vous l'ont vu. On va vous montrer Apollonie Ngono. C'est... Attendez, je vais vous montrer sa photo. Je sais que vous la connaissez. C'est elle là. On l'appelle la Mafo. Apollonie Ngono. Où je vous parle en ce moment, Apollonie Ngono est au parquet. Au Cameroun. Elle est au parquet. Elle est au parquet. Devant les juges, en ce moment T, où je vous parle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que beaucoup de gens ont vu la vidéo de Apollonie Ngono, où elle dénonçait les ordures à Yaoundé. Nous allons aller sur sa page. Je ne sais pas s'il y en a encore. Bon, je vais aller sur la page peut-être de quelqu'un pour qu'on voit ça. Est-ce que sur la page de Vassiro, il y a... Attendez. Comme ça, on va avancer rapidement. Attendez, je vais aller sur la page de Vassiro. Ma personne. Comme ça, là-bas, on va voir. Je vais vous montrer une vidéo. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous montre la vidéo. Je vais vous montrer pourquoi je vous montre la vidéo. Apollonie Ngono. Attendez, où est ça? On en a marre de poubelles. Partagez. Ça, c'est Apollonie Ngono. Partagez. Où je vous parle, elle est au parquet. Donné son nom. Maintenant, monsieur, le monsieur a envoyé sa maison enlever les poubelles. Partagez. Guerrière. Partagez le direct. Guerrière. Oui. Yaoundé est sale. Partagez-moi ce direct-là. Guerrière. Yes. Gardez-moi, monsieur Supermère. Oui. Ah, c'est Baron Bonoué. Oui. Ah, Baron Bonoué. Fais tes employés. Yann et Borboué, tu ne payes pas de salaire, Supermère. Oui. Regarde les ordures, renvoyées. Nous ne voulons plus des ordures. Bon. Je vous ai montré cette vidéo pour que vous compreniez que. Elle a fait une vidéo où elle parlait des ordures à Yaoundé. Où je vous parle en ce moment, Apollonie Ngono est au parquet à Yaoundé. Elle a dormi en cellule. Ensuite, on l'a transférée chez le maire directement au parquet. Qu'est-ce qui se passe?
on lui a ressorti une plainte que Chantal Aïcha avait portée contre elle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais vous expliquer mot à mot ce que j'ai reçu des deux parties. Apollo Ningono avait fait une vidéo. Vous rappelez son histoire, l'histoire de Martinez Zogo. Apollo Ningono avait pris le parti de Martinez. Et elle a fait une vidéo où elle avait interpellé Chantal Aïcha, mais d'une façon rude. Elle avait vraiment interpellé Chantal Aïcha sur l'affaire de Martinez Zogo. Et dedans, elle avait dit peut-être sa pensée avait dépassé les paroles. Des choses un peu plus fortes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Apollo Ningono va au Cameroun, avant cette fois-ci, elle est partie au Cameroun. Donc Chantal Aïcha a porté plainte au Cameroun à Apollo Ningono pour injure, diffamation sur les réseaux sociaux. Quand elle va donc au Cameroun, elle se fait convoquer au commissariat du premier arrondissement à Yaoundé. Apollo Ningono se rend, c'était pas cette fois-ci, la dernière fois. Elle se rend là-bas et elle discute, on parle de ça. Et Apollo Ningono, on lui montre la vidéo qu'elle avait faite par rapport à Chantal Aïcha, où elle avait dit des choses à Chantal Aïcha. Chantal Aïcha n'était pas au Cameroun, mais elle s'est fait représenter. On a appelé Chantal Aïcha par téléphone. Elles ont causé, elles ont parlé. Apollo Ningono, Chantal Aïcha, en direct au commissariat du premier. Elles se sont parlé. Tel que j'ai eu celui qui représente Chantal Aïcha, parce que j'ai eu aussi quelqu'un qui est du côté de Apollo Ningono, qui était avec elle, qui n'est, voilà. Et il m'a appelé pour m'expliquer la situation et j'ai essayé de trouver des solutions. Alors, on a confronté Chantal Aïcha et Apollo Ningono, la dernière fois qu'elle était là. Tel que le représentant de Chantal Aïcha m'a expliqué. Elles se sont parlé, Chantal Aïcha a parlé au téléphone avec Apollonie et l'enquêteur. Et Chantal Aïcha a dit que bon, pourquoi tu m'as dit des mots aussi durs par rapport à Martinez, l'histoire de Martinez Zogo? Parce que, Apollonie Ngono est sortie par rapport à l'affaire Martinez Zogo. Donc, elles se sont parlé comme, parce que toutes viennent de Nsam, toutes viennent de Dakar. C'est la région-là. Elles sont du même village. Hein? Apollo Ningono et Chantal Aïcha. Elles sont du même village. Donc, elles se sont parlé comme des grandes filles. Elles ont trouvé un terrain d'entente. Et Chantal Aïcha a dit que elle voulait que Apollo Ningono, c'est tel que le représentant de Chantal Aïcha m'a expliqué. Elles se sont parlé. Au niveau du commissariat du premier, Chantal Aïcha était en direct au téléphone avec ses avocats. Apollo Ningono était là sur le terrain avec ses avocats. Elles se sont parlé comme des sœurs et elles ont trouvé un terrain d'entente. Chantal Aïcha a demandé à Apollo Ningono de refaire une vidéo d'excuse et de mettre sur sa page. C'est ce que le représentant de Chantal Aïcha me dit. De faire une vidéo d'excuses et de mettre sur sa page. Elles ont donc fini. Il fallait donc qu'elles se revoient. C'est-à-dire que donc, quand elles ont fini de se parler, Chantal Aïcha a dit que quand elle va faire la vidéo pour s'excuser, elle va poser ça sur sa page, elle va aller enlever sa plainte. Que la représentante, le représentant de Chantal Aïcha me dit, ils avaient rendez-vous 2 jours après pour se voir au commissariat pour qu'ils regardent et que Chantal
enlève la plainte. Vous comprenez, non? Elles ne se sont plus revues. Ma Fongono Apollonie est rentrée en Europe. D'accord? Quand elle est donc rentrée en Europe, le représentant de Chantal Haïssi me dit que Mafo a encore fait des vidéos pour insulter Chantal Haïssi. Au lieu de faire des vidéos pour s'excuser et poser sur sa page. C'est ce que lui, il me dit. Moi, je n'ai pas la version. Je n'ai pas pu. J'ai demandé qu'on aille donner le téléphone à Apolline Ngono pour que je lui parle. Mais la personne m'a dit que non, elle était encadrée de policiers et ne pouvait pas parler. Mais voilà, voilà, voilà ce qu'elle disait. Parce que où je vous parle, elle est au parquet. Elle peut être déférée. Apolline Ngono. La seule qui tient le bâton de commandement, c'est Chantal Haïssi. Il faut dire les vérités ici, là, devant le monde entier. Alors, quand je suis au courant, j'essaie d'appeler ma soeur Chantal pour lui expliquer que maman appelle là-bas. Laisse. Je n'ai pas pu la voir. C'est pour ça que je fais la vidéo. Pour lui dire que non. Tagay, enlève ton pied là. C'est pas bon. Donc, ils me disent que Apollonie Ngono devait faire une vidéo pour s'excuser parce que, apparemment, en défendant Martinez Zogo, elle a dit des mots un peu durs à Chantal Haïssi qu'elle n'a pas apprécié. Et Chantal Haïssi dit que, en parlant, elle a même insulté sa maman. Voilà en gros ce qu'elle lui reproche. Et que dans l'accord qu'ils avaient, Mafo Apollonie Ngono avait reconnu les faits et elle avait dit qu'elle allait faire une vidéo pour s'excuser. Bon, je leur ai dit que moi je vais retranscrire. Mais je voulais aussi vous dire que Apollonie Ngono a dormi en cellule. Elle est où je vous parle au parquet devant les juges et tout. Et elle peut être transférée à Konigi à n'importe quel moment. Ma soeur Chantal a ici. Vous avez parlé avec Apollonie, vous êtes arrangé. C'est vrai qu'elle devait faire une vidéo pour s'excuser. Peut-être que ça n'a pas été fait. Mais je ne comprends pas comment. L'affaire de Chantal Haïssi qui s'était arrangée avec sa sœur. Parce qu'elles sont toutes de Dakar. Tout d'un coup ressort. Sauf que le représentant de Chantal Haïssi me dit que puisque elle n'était pas venue le deuxième jour, la procédure a continué. Ils sont partis poser ça au parquet. Le mandat d'amener a été renvoyé pendant que Apollonie Ngono était ici. Donc, quand ils en ont su à travers sa vidéo pour les poubelles là, qu'elle était au Cameroun. Ils ont donc renvoyé le mandat d'amener. Et quand on renvoie donc, on lui dit que tu te rappelles de l'affaire sinon. Voilà. Gère alors le retour. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Hein. Maintenant, pardon, n'insultez pas Chantal ici. Là. Moi, je ne suis pas là pour faire les problèmes. Je veux arranger. Sur mon direct, là, je vous interdis de l'insulter. Vraiment, je suis sérieuse. Trouvons des solutions. Où on parlait là, notre soeur est au parquet, elle peut descendre à Kondengi. Laissons les problèmes. Trouvons maintenant la solution. Celui qui est fâché de Chantal ici, il passe sur sa page, il insulte. Moi-même, là, il... Parce que, moi, dernièrement, j'ai croisé Chantal ici à Paris. On est ensemble, non? On a parlé. Elle a dit que Lolita, tu es ma personne. Même si c'est comment. Je lui ai dit que tu m'as apporté plein même 10 fois. On va seulement gérer, non? Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas au Cameroun. Bon,
Elle m'a dit que Lolita, toi, elle ne peut pas te porter plainte au Cameroun. Tu es ma soeur, tu es ma productrice, tu m'as donné quelque chose à manger. Je ne peux rien faire. Mais si tu m'insultes, tu fais quoi? Je ne vais rien faire de toi. Donc la seule personne qui peut porter plainte là, c'est Ebala. Ebala, comme il était à Kondengui, là, il veut me mettre à Kondengui pour aller donner à manger aux hommes lois. Oui, Ebala et son ami Paul Désy Bialo, bandit là. Voilà les deux qui peuvent me porter plainte au Cameroun. Mais ça va changer. Je vais venir là-bas au Cameroun, je n'ai rien fait. J'étais la dernière fois au Cameroun. Paul Désy a dit que il y a ta plainte qui t'attend ici. Il a dit que tu ne connais pas où je suis. Choix. Et t'attends. Tu vois que le pays là, ça vous appartient. Je lui avais dit ça, oh, et puis il n'y avait rien. Il dit qu'on va m'arrêter. Il dit que je t'attends. Comme le pays là t'appartient. Bon, c'était en passant. Donc les deux là, c'est les deux là qui sont déjà partis remplir les commissariats avec mon nom là-bas. Paul Désy Bia et le vent du pied des balas là. Mais ils ne vont rien faire. Moi, je les ai dit que vous êtes de l'eau au Cameroun. Restez avec. Quand, le jour que vous venez là, vous n'aurez pas le courage. Parce que ça aura changé. Vous croyez que quoi? Vous, dès qu'il y a un truc, vous courez, vous partez porter plainte au Cameroun. Vous croyez qu'il y a quoi? Bon, c'était en passant, non? Je parle aussi de mes dossiers, non? Donc, je voulais donc finir en parlant. J'ai essayé d'écrire. J'ai écrit à Chantal ici, mais je n'arrive pas. Je l'ai appelé fatigué. J'ai écrit. J'ai appelé. Mais son téléphone est fermé. Je voulais lui dire ici en direct, parce que j'ai dit à son représentant qu'il veut faire le direct pour parler, pour expliquer ce qui se passe. Machin, tu es ma personne, non? Va enlever la plainte là. Ta Pauline Ngono, c'est ta soeur. Va enlever ça. Laisse. Zomombenta a insulté plus que tout ici là. Zomombenta a insulté toutes tes parties génitales ici. Toi, tu l'as porté plainte ici là. On était ici, non? Tu es parti l'amener au tribunal ici là. On l'a condamné d'amende. Tu l'as pas amené au Cameroun. Ma soeur. Apollonie, on vit ici. Tu vis ici, là. Tu es fâché, tu portes plainte. Moi, je suis fâché avec mes sangs. Je veux lui porter plainte en Suisse, non? Ou je pars en Allemagne, où il vit à la frontière, là. Je ne vais pas lui porter plainte là-bas. On gère ça là-bas, une place. Je ne vais jamais porter mes pieds. On m'a dit que mes sangs est parti me porter plainte au Cameroun. Un feignant comme ça, là. Donc, il m'a laissé ici pour aller me porter plainte au Cameroun. Il faut me porter plainte ici, où je vis. J'ai dit que c'est la seule personne qui ne va jamais gagner un procès devant personne. Vous comprenez? Donc, machin, c'est toi qu'on attend. Prends ton téléphone, tu appelles le parquet, tu dis qu'on laisse Apollonie Ngono. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, depuis que je réfléchis, je me pose la question. Je me dis que est-ce que ce n'est pas la vidéo de Apollonie Ngono des ordures là? On a repris comme ça là et mélangé. Le pays, c'est le continent, non? C'est le continent. C'est le continent. Le continent, là, c'est comme ça, là. Donc, machin, tu es ma personne. On s'est parlé, non? Laisse. Prends ton téléphone. Tu appelles là-bas le paquet. Tu dis que Apollonie Ngono, c'est ta soeur. Tu enlèves la plainte. Tu quittes ça. Oui, s'ils veulent continuer, ils continuent. Ils laissent ton nom loin de là. Ils laissent ton nom loin de cette histoire que Apollonie Ngono ne parle pas à Kondengui pour toi. Parce qu'elle défendait quand même Martinez Zogo. Hein. Oui, maman. Peut-être qu'elle a dit des choses un peu, ça a dépassé sa pensée. Mais il faut voir comment Martinez Zogo est passé. Donc, ça, il y avait une révolte à l'intérieur de chaque Camerounais. Oui, maman. Il faut voir ça. Tu te connais. Moi, m'a été dit ça. En direct, que non, ma mère, j'ai une revolte, je suis énervé, j'ai de la haine. Parce que quand je vois ce qui s'est passé, ce que Martinez a vécu, on a levé ses ongles, prend les trucs, foutre, non, percer ses yeux, mais non, couper sa langue, non, même si tu es comment, tu vas dire des trucs, c'est parce que moi je me suis retenu. Oui. Donc, maman, prends ton téléphone, tu appelles le parquet, tu dis que tu as enlevé ton pied. Après, tu vas t'arranger. Moi, je veux m'assurer que ma soeur Apollonie Ngono va te faire une vidéo d'excuses si c'est ça qui te dérange. Ici, là, en Mondovision. Tu comprends? Je vais le faire. Enlève ton pied. Chantal, là, ici, je te parle. Enlève ton pied. Si les gens là veulent l'enfermer parce qu'elle a fait la vidéo des ordures, là, qu'ils prennent.
Parce que toi et ta soeur, vous êtes parlé, vous êtes expliqué. Vous êtes parlé, vous êtes expliqué. C'est vrai qu'elle devait faire une vidéo d'excuse, elle ne l'a pas fait. Mais est-ce que c'est pour une vidéo d'excuse que quelqu'un va aller se retrouver à Kondengi? Ah! Les affaires du Cameroun, je comprends même pas. Donc, maman, Chantal, je te parle. Enlève ta plainte là. Appelle. Laisse. Laisse. Je te dis ça. Ta soeur est au parquet là. C'est pas bon. On vit ici, nous tous. Si Apolline Ngono est à Kondengi, tu ne peux pas être à l'aise ici. Non. Tu ne peux pas. On est en diaspora, la mère. Non. Tu ne peux pas. Laisse. Nzomobeng, t'as fait pire. Tu as porté plainte ici, là. Oui, Nzomobeng. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a insulté sur le pays ici. Plus que Nzomobeng. Nzomobeng a insulté toute ta génération mélangée. Tu as porté plainte ici, hein. Et on a vu les vidéos où elle s'est mettée à genoux devant toi pour demander pardon devant le monde entier. On l'a condamnée d'amende. Elle a d'abord quoi? Même l'amende qu'on a donnée qu'elle va payer, elle n'a pas payé. Elle va payer avec quoi? Même la bordellerie qu'elle fait à la frontière de la Suisse, là, ça donne quoi? Les vieux white, là, paysans, là, et l'agneau, c'est gratuit, non? Alors qu'on paye bien les gars en Suisse. Mais comme elle n'est rien, elle n'a rien, elle est comme une... Elle n'est rien. Vous comprenez, non? On l'agneau, ce cadeau. Zéro. Il n'y a rien. Donc, Zomombe est la dernière. Elle s'est mise à genoux. On a condamné qu'elle va payer le truc. Elle va payer avec quoi? Même sa borde, sur le bord des bords, ne donne pas. Les filles se bordent ici. Elle construit les châteaux au Cameroun. Zomombe borde et tire ses trucs matin, midi, soir dans ce pays-là. Même manger, ça la dépasse. Je ne comprends pas sa carte de bordelerie ici-là. Je ne comprends pas la partie de bordelerie de Zomombe. Donc, tu as vu qu'on l'avait mis la main de nom. Elle devait payer avec quoi? Elle boque d'ici, mais elle n'a pas l'argent pour payer la manne. Comment on va faire? Hein? Tu vois? Si tu as laissé la manne de Zomombem, laisse. J'ai dit que Zomombem boque d'ici, de lundi à lundi, même les jours fériés, est-il la valise ici, là? Petite amende que tu avais demandé là, elle n'a pas eu la force de payer. Alors que les paysans ici payent bien. Mais, le problème qu'elle a, elle va finir. Petit argent qu'on va donner. Déjà, elle est moins chère avec les paysans qui sont à la frontière là. Bon, quand on paye alors, elle part à AliExpress. Elle ramasse tous ces machins de cuir là. Elle ramasse tout AliExpress. Elle met dans la valise. Elle vient déranger les gens sur l'internet. Le petit qui reste là. Elle est la plus moins chère des bordés de la Suisse, non? Zomombeng. Je vous dis, c'est la plus moins chère des bordés de la Suisse. Les bordés ici en Suisse coûtent. Même, nous avons même bordé, mais elle est moins chère. On va faire comment? Donc, Chan, si elle n'a pas pu te payer, laisse. Toi, tu as laissé Zomombe. Laisse ta soeur. Apolline Ngono, elle est avec toi, elle est de ton village. Comment? Même Lolo Fondia, je l'insulte là, mais est-ce qu'elle veut la porter plainte? Elle est bangantée, comme moi. Je veux la faire quoi? Je la lave quand je suis énervé, je la lave et puis il n'y a rien. Et c'est moi, on ne porte pas plainte. La seule personne que j'avais réfléchi à porter plainte, c'est le vieux père de. Le vieux père qui ne paye pas les soirées là. Qui a sorti la honte là. Pendant ça. Allons sur son sujet, non? Donc, Chan, comme était dit, appelle là-bas. Tu laisses. Pardon. Laisse. Je t'ai parlé comme ça là. Voilà le bâton de paix. Appelle, on laisse ta soeur. Apolline Ngono. Le parquet là, c'est même pas sa place. C'est une femme qui fait beaucoup pour le Cameroun. On va laisser ça, non? Enlève ta plainte, comme ça on va voir. Parce que si tu enlèves ta plainte, on va voir si c'est pour les ordures. La vidéo qu'elle a fait, on va bien voir l'affaire. Parce que comme tu es dedans, et on ne sait pas si c'est l'affaire des ordures ou bien l'affaire que tu t'es arrangé avec ta soeur, qu'ils ont seulement mélangé et réchauffé. Donc on ne connaît plus ces mélangés. Enlève ton pied et puis on va voir s'ils vont l'envoyer en prison parce qu'elle a dit qu'on doit enlever les ordures à Yaoundé. Parce que Yaoundé sent, et c'est vrai, Yaoundé sent, ça pue, c'est sale, c'est la vérité. Et c'est les gens, non? Les gens disent ça tous les jours, est-ce qu'elle ment? Yaoundé sent. Comment? On ne va pas dire ça, pourquoi? Ok.
Deuxième sujet. Apolling ou non? Tu as mon soutien, non? Je veux voir si demain je peux envoyer quelque chose pour toi. Pour qu'on te donne, pour que tu aies à manger, à boire et tout. Demain, je vais essayer. Je connais quelqu'un qui est à côté de toi. Je vais tout faire pour demain t'envoyer quelque chose. Je le dis à Mondo Vision. Pour que tu sois à l'aise. Que le Seigneur te protège. Apollo Ningolo. Tu as tout mon soutien. Merci. Maintenant, on a l'autre. Qui ça? Pas dire ça, non? Un vieillard indigne. Partagez le direct. Vous êtes 1853 sur Facebook. Vous êtes combien sur TikTok là? Vous êtes 697 personnes sur TikTok. Partagez le direct. Partagez maintenant, le vrai sujet arrive. Le vrai sujet, non? Comme vous avez le Ndiapap, le vrai Ndiapap arrive. Tapotez, mettez les cœurs. Je veux voir un maximum de cœurs. Mettez les cœurs. Mélangez tout. Partagez le dîner. Envoyez sur tous les voisins. Appelez le quartier. Vous n'avez pas quoi appeler le quartier. Appelez le quartier. Envoyez tout. Envoyez le quartier. Appelez. Vous n'avez pas encore appelé le quartier. Partagez. On va d'abord écouter les voix avant qu'elles parlent. Parce qu'on ne parle pas de ce qu'on n'a pas écouté. Je vais commencer par dire que je vais dire la vérité. Parce que moi, je ne suis pas dans le Congo, ça. Abbé Samé, toi là, avec ton petit... J'ai vu la tête rouge comme un métis là. Tu ressens à mes enfants ici là. Abbé Samé, tu m'as dit que Tata Loli, je te demande les excuses. Fiston, tu es pardonné. Tu m'as insulté ici sans me connaître. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'insulte au mari. Tu me sais qui? J'ai quelques problèmes avec. Même M. Royal Maroc, je n'ai jamais pris le vol avant que je me suis. Oui, j'avais pris M. Royal Maroc parce que une fois, on parle de la Suisse. Avec Suisse Air. Je devais prendre. La toute fois, première fois que j'ai pris Air France, et ça m'a énervé. Je n'ai plus jamais pris cette compagnie-là. J'ai pris Air France à Genève. On est arrivé à Paris où ils faisaient quoi? Ils disent que la roue a fait comme ça, la roue a fait comme ça. J'ai couru à l'aéroport de Charles de Gaulle, je connais. On a raté le vol. J'étais en business class. J'étais énervé jusqu'à. Et un 31 décembre, imaginez-vous. Ils disent qu'il n'y a plus de vol. C'est donc comme ça qu'on me met. Et France dit qu'ils ne partent pas au Cameroun. Mais ils vont nous mettre, on arrive à Royal Maroc, on va arriver au Maroc, et du Maroc, on va avoir Air Royal Maroc pour partir. C'est la seule fois que j'ai pris Air Royal Maroc, non? Je n'ai jamais plus pris. Donc, on m'a donné le champagne, j'ai bu. J'ai dit, mais j'arrive donc à Casablanca. Je me suis assise. On m'a mis dans la loge, ma chaise, tout ça. Mais j'étais tellement énervé. Je n'ai jamais été autant énervé dans ma vie. On est arrivé dans le vol de ROM. C'est la première fois. Je vous raconte vite ça. Pour que vous, avant qu'on attaque le sujet, non. C'est la seule fois qu'il y a pris ROM. Quand on est arrivé dans le vol, ils disaient qu'on ne voit pas l'alcool dedans. Je dis que comment? J'ai d'abord raté le premier cas, tout ça. J'avais d'ailleurs mes champagnes dans mon nez parce que, quand même, de Paris là-bas, ils étaient tellement énervés qu'ils nous ont mis dans la loge, ils nous ont donné les champagnes. Donc, mais j'avais fait les achats à l'aéroport parce que le temps qu'on trouve le vol et tout, les énervements, j'ai fait les courses. Maman, ils disent qu'on ne boit pas l'alcool dans l'avion. J'ai dit que ça, c'est pour vous là-bas. J'avais acheté les whisky et les champagnes pour partir au Cameroun. Me voici dans le vol. J'avais trouvé les gars, les beaux ailleurs, qui rentraient. Ils venaient d'avoir aussi les papiers. Maman, j'ai ouvert une bouteille de whisky, partagé ça dans tout le vol. Nous voilà en chantant d'examen, en train de chanter. Hey! C'est le seul souvenir que j'ai du ROM Maroc. Je n'ai plus jamais pris. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui m'insultait au Maroc. Il dit que, hey, ça me c'est qui? Oh, une cousine m'appelle que tu ne connais pas. Le gars là était à l'église chez les presbytériens, non? C'est ton ami! Comme il dit que je suis mélangé, je fais comme ça, je fais comme ça. On dit que
avec sa moussie comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est mélangé comme ça là. Quand c'est ton ami, tu dis que mais est-ce que les amis sont allés, les amis? Je ne le connais pas. Abbé, ça me lave le matin, à midi, le soir. Mince. C'est le seul lien que j'ai. Après, on me montre un gars brun comme ça, là, tout. On dit que c'est lui là-bas. Tu dis, mais le gars, il est là, croisé au Cameroun, ou bien, on a quel problème? Mais bon, bref. On me met les voix, non? Abbé, ça me. Il était dit qu'il était pardonné, non? Il était pardonné. Il était pardonné. Il y a aussi un coup, gars, là. Il s'appelle qui? Du Camer. Je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu il y a de cela moins d'un mois à Paris. Ce qui m'avait invité, l'habilleuse. Je vois quelqu'un qui est là, avec les petites lunettes qui me guettent, il me guette, il me guette. Donc quand je me lève donc pour les photos, il se lève, il me salue. Il dit que c'est du Camer. Je dis que mince. Il dit, grande soeur, comment ça va? Il dit, ça va bien. Il me dit, mais tu es imposante, tu es plus belle en vrai. Et tout, tout petit. Je dis que, en vrai, non. Je dis que, c'est pas toi qui t'es assis avec Panjang sans pour m'insulter. Il dit que moi, je dis que oui, toi. Parce que papa, est-ce que je prends le cas pour parler à quelqu'un? Je dis que toi, tu m'avais insulté. Il dit que non, 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 moi, je m'ai insulté. Il dit que bon. Mais grande, ça peut faire. Je dis non, attends, c'est moi un problème. Mettons, on a fait nos selfies, petites vidéos et tout. Toi, pour dire que moi, je suis fair play. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il dit que non, grand, tu es trop poli, tout ça, tout ça. Donc, Abbé, ça m'a lavé. Mais il m'a écrit, inbox, non? Pour me dire, grande soeur, Assala me demande pardon. Moi, je sais pardonner. J'ai écrit à Abbé, ça m'a que, Abbé, ça m'a, si elle a d'autres voix, envoie-moi. Je vais faire le décryptage. Mais si tu peux m'envoyer même deux, trois voix qui débordent un peu, envoie. Abbé, ça m'a refusé. Il était invité, non? Et c'est fait le Congo, ça. Abbé, ça m'a dit que non, la baronne, il dit que envoie-moi. Tu demandes les pardons, tu n'envoies même pas. Il a refusé. Mais ce n'est pas grave. Moi, il dit la vérité, il a demandé. Il a refusé. Bon, on va écouter ce qu'il a dit avant. Il y a quoi? Écoutons, pour qu'on décrypte. On va écouter. On va écouter. Pourquoi je vous dis qu'on écoute? On va écouter avant que je m'exprime. On ne peut pas... Excusez-moi. Permettez-moi de boire un peu un verre d'eau parce que je suis malade, je n'ai pas encore récupéré. Avec sa main. J'ai demandé le voice, tu as refusé. Il était supplié, fatigué, tu as refusé. Mais c'est pas grave. Il a dit que non. Je bois de l'eau. Hein. Voilà. Je bois de l'eau. Voilà. On va écouter les voix d'Abbé Samé. Et je vais décortiquer. On va d'abord écouter avant qu'elle parle. Je ne vais pas m'arrêter, je vais laisser tout écouter. Bon. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on écoute le voice. Ce monsieur qu'on appelle Panjansan, c'est un des plus méchants de la toile. Moi, il dit ça ici, là, personne ne me croyait. J'ai fait les problèmes ici, là, personne ne me croyait. Il dit que ce monsieur est un danger. Personne ne me croyait. Tout le monde disait que, ah, va là-bas, tu as trop de problèmes, tu déranges. Pourquoi tu veux déranger les gens? D'accord? Vous avez dit que c'est moi qui sais. Quand vous avez un homme dans un quartier qui fait les problèmes avec une femme, on dit que, bon, ok, la femme dérange. Deux femmes. Ok, la femme dira. Trois femmes, ok. Mais quand il y a quatre, cinq, six, c'est l'homme le problème. C'est la personne. Vous pouvez être dans un quartier, vous pouvez avec tout le monde. C'est vous le problème. Parce que quand il était seul, on dirait que c'est moi. Donc c'est lui le problème. Écoutons. Voilà un papa, un vieillard, indigne. Vous êtes 1000 personnes sur TikTok. Vous êtes 2200 personnes sur Facebook. Faites un tour de partage parce que les vraies choses ont commencé. Partagez. C'est votre baronne qui est revenue en force. Et puis ça ne chauffe pas. Vous avez un papa qui va à 70 ans. Il demande
qu'on a fait du mal à ses compatriotes. Parce qu'ils ne portent pas ces mimbans. Moi, quand j'ai dit à Pan Jansan, est-ce que je contourne pour dire, je mets ma caméra, lui parle, et puis il n'y a rien. Il n'a pas le courage d'aller parler à son frère Amer Kamer. Il n'a pas le courage d'aller parler à Patricia, mais il n'a pas le courage de parler à Flore. Il paye quelqu'un pour aller parler pour lui. C'est un homme ça, mais c'est une mauviette. Il faut le voir remplir devant sa télé pour insulter les femmes. Vous avez déjà vu le monsieur là se battre avec un homme? Aucun. J'ai dit que même son propre frère, Amer Kamer, il n'a pas eu les mimbans pour aller parler à Amer Kamer. Il a envoyé quelqu'un. Mais il faut le voir. Dès que c'est une femme, si c'est Natacha de Monaco, on va respirer. On va respirer. Un brassier. Ceci. Dès que c'est veuve joyeuse. Dès que c'est elle. Patricia, mais moi alors, hein, c'est 9 heures de temps. Toutes les femmes, le gars a l'énergie. Mais dès que on parle, dès qu'on parle des vraies choses, le gars n'a plus la force. Les deux hommes qu'il a essayé la bagarre, la cham, il y a Rémi Ngono. Il a fait une vidéo à Rémi Ngono, pas deux, une. Il a fait une, il n'est plus jamais revenu. Rémi Ngono l'a raclé en pleine journée. Le gars a fui. Le lendemain, il est parti encore s'approcher sur Natacha de Monaco ou moi. Amer Kamer, qui est même son frère, qu'on peut dire qu'il ne peut pas avoir peur. Maman, il a eu peur jusqu'à envoyer qu'à l'abbé Samé. Mais regarde comment il est musclé. Quand on voit un homme qui sort ses mimbans sur la femme, mais c'est une mauviette. Mais ça, c'est une mauviette. Il n'a pas de mimban. Il n'a rien en bas. Le corps, là, c'est rempli de graisse et de crème. Son corps est rempli de graisse et de crème. Il n'est rien. Il n'a rien. C'est pas un Joe. Il était venu qu'il va me nac. À bien. Il lui dit que, papa, tu es fort, non? Tente. Tente. Si je ne mange pas tes mimbans, je ne veux pas me lever ici, là. Chouane, tu vois qu'on effraie les filles de Kounou. Et parce qu'on est calme ici, hein. On s'est respecté. Ensuite, si on se respecte, mais si on nous manque de respect, mon esprit de Kounou revient, on a bagarré toute notre vie. Que je suis venu t'enfermer pour te mettre derrière la voiture. Un homme rempli de graisse et de lait. Incapable de poser ses mimbans pour parler à un homme comme lui. Il paye les gens pour parler pour lui. Et je vois Ndabi Koko prendre comme ça, quelqu'un comme ça, comme porte-parole. Écoutons ces conneries d'abord. Non, attends. Mais on t'a pas... Pour payer les gens, hein. Ok, mon fils, envoie les coordonnées, je vais t'envoyer les dos le week-end. Toi, c'est un couple de mâts. Non, mais je peux même pas parler. Eux seuls, c'est eux qui abandonnent les enfants. Eux seuls, c'est eux qui organisent les idées plus mal. Eux seuls, c'est eux qui s'organisent que... On peut insulter leurs compatriotes. On peut faire ça. Hein? On va t'écouter. Ça là, ça m'a dépassé. Quoi? Oh, est-ce que tu as entendu que Mappa a insulté ta maman hier? Faut m'insulter Mappa. Papa, ta caméra que tu tapes 9 heures de temps là, tu es incapable de t'asseoir et insulter Mappa. Nadège Mappa là te dépasse. Elle va te faire quoi si tu l'insultes? Elle va venir casser ton téléphone. Tu traverses la Suisse, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, tu prends la mer, tu traverses jusqu'au Maroc pour aller demander qu'on insulte Nadège Mbappa. Ya! On peut être rempli de lait et de crème pour rien comme ça debout. Les mimbans frelatés, rien, zéro, nada.
Ça, c'est pas un homme. Mauvais jusqu'à demain. Et puis, il n'y a rien. Aïe! Quand il faut inviter Nadine, tu prends ta caméra, tu insultes Nadine Bapa, il va pleuvoir. Tu lui parles bien, et puis, il n'y a rien. Tu vas payer. Maman, oh, ça m'a tué le problème. Où sont les nier? Ça m'a où sont les nier? Où sont les nier? Tu as entendu? Ça m'a où sont les nier? Où sont les nier? Mélanger nier, mélanger, mettre de solenier, mettre dans le coquille, solenier comme ça là. Maman. C'est tout la peur de Facebook, papa. Moi là, quand tu m'énerves, pose ma caméra, te lave et puis y a rien. C'est ça qu'on appelle femme. Tu étais venu là que je vais te battre, je vais te balayer, dit que tu ne peux pas. Tes maté mimban là, c'est rempli de tomates, tu n'es pas un homme. Point. Je t'ai dit que même au tribunal, je vais te battre. Si tu es un homme, porte-moi plainte. On va gérer ça au tribunal. On a un ben non. Vous partez, tu portez plainte au Cameroun. Porte-moi plainte ici. Tu as insulté mes parties. Tu as pris mon mari qui ne t'a rien fait. Insulté mes parties là, pendant 2 semaines. J'ai pris tout ça et gardé. J'ai mis chez mon avocat. Tu ne vas gagner le procès. J'ai dit à tout le monde, si quelqu'un me semble porter plainte, prenez-moi comme partie civile. Je ne discute pas, hein. Je viens, partie civile. Gratuit. J'arrive seulement. Je dis au procureur que non. Papa, vous êtes prêt? Je prends la clé et pose. Écoutez-le. Le combat est terminé. On ne suit pas les gens comme ça en Ben. C'est pour ça qu'il n'a pas la force, non? Il va porter plainte à qui? Il va porter plainte à qui? Un seul rien, un seul rien. Tu ne vas pas seul toi-même. Ta page, c'est à quoi? C'est même pour le Congo, ça. Bon, si toi-même, tu dis à Nadège Mbappa qu'elle sole, elle vole, elle est comme ceci, ça va faire quoi? Tu as déjà dit ça, non? Mais tu prends l'argent, tu envoies au Maroc. Tu demandes... ça met... On peut avoir les gens les colérés comme ça. Ça met aussi. Ça se met les bêtises, mon frère. Hey, vous êtes 2000 sur TikTok. Mince, le Congo sait bien. Un seul lien, un seul lien. Choy. Regardez un papa. Bon, vous voyez les bandits, toujours en train de dire que bonjour mon fils, pour faire du mal. Bonjour mon fils. Bonjour mon fils, pour mélanger la tête de l'enfant. Pour faire le mal. C'est-à-dire qu'il laisse pour faire le mal. Il dit que bonjour mon fils. Écoutez. Oui. Oui. On doit se lever. On doit combattre. La guerre est déclarée. Qui va se lever avec toi? Si tu te lèves seul, quoi va faire? Tu pars chercher tes problèmes. Tu dis qu'on doit se lever. Samé, il habite là-bas, loin au Maroc. Il a quel problème ici en Europe? On doit se lever pourquoi? Samé vit au Maroc. Tu cherches les problèmes partout, à Paris, en France, en Suisse, en Allemagne, à Monaco, à Nice, partout. Nge, on doit se lever. Samé même connaît où se trouve Monaco. Pourquoi dis-tu qu'on doit se lever? Dis que je dois me lever. Oui, c'est toi qu'on a attaqué, ce n'est pas sa main. Personne n'a attaqué sa main. Personne. Nge, on doit se lever. Haï! On va se... Vous pour aller où? Ça, mais tu traverses le pour aller chercher. Attends, regarde-moi les conneries. Je voulais te dire qu'on s'en attend au Angoulême.
Oui. Samé, le direct, c'est pas pour t'écouter, passe tes voix. Tu comprends, non? On écoute le grand-père. Vas-y, il a dit, non? Je m'impose. Attends. Le grand-père, tu fais une résultat. Quelque chose, là, voilà, à la même cour que moi. Oui, écoutons. Tu t'es servi de moi parce que tu sais que je suis le Francis Ngannou des injures. On y va. Mais non, Samé, mais non. On y va. Bye. Oui. Mon voisin disait juste que on doit montrer à ces gens-là qu'on s'amuse avec les bazars. Maintenant, c'est-à-dire c'est dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Un tribaliste notoire. Un tribaliste notoire. Que oh, on doit montrer à ces gens-là. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais vous écoutez ça? Voilà quelqu'un qui faisait de la politique ici, dans le RDPC, dans la jeunesse RDPC. La seule chose qu'il a fait, c'est de voler la caisse de la jeunesse. Les jeunes du RDPC sont allés l'accuser chez l'ambassadeur. On l'a destitué et chassé. On l'a destitué et chassé. C'est lui qui va dire, parler des Bamileke. Quelle honte! Voilà les gens qui sont prêts à faire du mal au Cameroun. Si demain, il y a un problème que les tribus se battent, voilà les gens qui vont prendre les machettes. Que Dieu m'en préserve. On peut être comme ça. Vous voyez ce qu'il fait dans le mois et ce qu'il dit en journée, homme de paix. Homme de paix? Non. Non. Tribaliste notoire. Œil pour œil, dent pour dent. Ils font quelque chose, la réplique doit suivre. C'est ce que j'ai dit aussi à Compressor ce soir. Non, ils vont pas te suivre dans tes conneries. Mais toi, tu es là, tu es le jeune, tu es là, tu as l'énergie. Elle dit, qui dit que ça met l'énergie. Il a la voix combat. Je vous ai dit que c'est papa lait. Son corps est rempli de lait. Maintenant, avec le Made in China qu'ils ont pris là. Il est devenu, je ne sais pas s'il est orange ou s'il est, on dirait le citron. Le citron qui n'a pas bien mûri là. Il est vert orange. Et tu, il faut le voir comment il fait comme s'il était. Et puis, il est vert orange, il met une veste rose. Comme s'il voulait bien ressortir son teint. Moi, je ne comprends pas la partie là. Tu prends l'huile frelatée de Tanga, tu mets. Ça prend ton corps vert orange. Tu portes encore la veste rose, tu tapes dessus. On peut faire ça. C'est forcé. Tu ne peux pas mettre même une veste discrète noire. Non. Qui t'a dit qu'une veste rose te va? Qui t'a menti? Moi, je ne comprends pas. Hein? Ma chérie. Bon, Nyokseline, je ne t'aime pas beaucoup. Mais la veste rose ne va pas à ton mari. Ça, c'est un conseil, c'est gratuit. C'est une dolé, je ne donne pas que tu vas me payer quelque chose. Comme vous, on paye tout pour chez vous. Pour moi, là, c'est gratuit. Ne lui mets pas la veste rose. On dirait, tu connais les dessins animés Pam Pam Pé, là. Il avait ressemblé à ça. Il fallait le voir avec la bouteille. On dirait, tu vois les petits dessins animés Pam Pam Pé qui sont souvent en rose, là. C'est, on pose, on, il était comme un dessin animé, hein? En rose, papa. Yeesh. Non, on met plus les roses. Yeesh. Ça t'allait pas. Hein? Parce qu'on a une couleur qui a d'abord changé, ou c'est l'orange, ou c'est quoi. On porte encore la couleur verte, rose, on met. Tu sais, tu étais comme un dessin animé. Hein? C'est pas bon. Bon, on va t'écouter. Tu es là, tu es le jeune, tu es là, tu as l'énergie. Quand il y a quelque chose, ces gens-là, tu tires sur nous comme les mitraillettes. Si tu n'es pas au courant, les mêmes au courant, je te mets. Tu dois s'aller. Oui, bonjour. Toujours à Fiston. Oui. J'espère que je ne sais pas si tu as suivi mes deux directeurs. Tu as suivi finalement quand Yata a intervenu. Ah. Yata,
explicitement dit dans mon direct que c'est Amot et Flore qui l'ont envoyé me classer. Flore, que tu as dit aujourd'hui? Sa mère, la vidéo, si c'est pas pour toi, tais-toi. Et dès que je m'envoie les votes, tu as refusé. Tais-toi. Lorsque Nyat est venu dans ton direct. Miss! Sa mère. Ce qui se passe exactement en dessous de la diaspora, qui sont ces gens. C'est-à-dire, il demande à sa mère de refaire la vidéo sur la sortie de Nyat Barano pour qu'on voie qui dérange dans la diaspora pour le laver. Mince. Papa tout couleur. L'homme à la veste rose. On dirait Mip Mip. Mince. Bonjour à toi, fiston. On est ensemble. Bye bye. Faut finir avec elle comme d'habitude. Il faut finir avec elle. Quand j'écoute les voix là, je me dis, mais je rêve, je me réveille. Ça, c'est quelle façon? Il faut finir avec elle comme d'habitude. Il faut bien finir avec elle aujourd'hui. Mais quand tu fais la paix avec les gens, confesse-toi, grand-père. Attends, calme-toi. La suite des voix. Parce que, voilà, c'est... J'arrive. Je bois un verre d'eau. Je vous mets les voix. Faites encore un tour de partage. Est-ce que j'ai commencé le franc-pronomant? Faites le tour de partage, je vous mets les voices. On lui a dit que je titillais son père qui était en route. Donc il fallait que lui, Nyat, il me classe. C'est pour ça qu'il a parlé de moi et de mes enfants. Donc Nyat a expliqué que ça part de Flore et de Amot. Et il s'est excusé. Et il lui, t'attends. Il reprend un peu. Et puis voilà, j'espère que tu as suivi ça. Je pense que tu as consenti dans le pays. Les gens sachent. C'est des choses que... On doit répertorier pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe exactement en dessous de la diaspora. Qui sont ces gens qui sont là pour perturber? Voilà. Bonjour à toi, fiston. On est ensemble. Bye bye. Il faut finir avec elle comme d'habitude. Il faut bien finir avec elle aujourd'hui. Mais quand tu fais la paix avec les gens, confesse-toi, grand-père. Aujourd'hui, tu veux élever Flore. Aujourd'hui, tu vas élever Flore. Lorsque M. Lambert Yéné est décédé, tu as vu avoir un moulin. Tu t'es confessé chez elle. Faut finir avec elle comme d'habitude. Flore de Lille. Faut finir avec elle comme d'habitude. Je vais te parler après. Flore de Lille. Tu vois, moi, la baronne, je suis une place. J'ai fait mon nom seul. Je n'ai pas de team, des trucs comme ça. Quand j'ai à dire à quelqu'un, je pose ma caméra, je parle. Ce monsieur te déteste profondément. Et je te l'ai dit en face. Moi, je ne fais pas le Congo ça derrière. Je dis ce qu'elle dit à la personne en face. Voilà, monsieur, tu avais des problèmes avec une amie. Il était derrière, payant pour qu'on te fasse du mal, qu'on dise qu'on t'a doigté, qu'on t'a ceci. Attends, faut qu'on écoute d'abord tout. Tu t'es confessé, grand-père. James, c'est que mauvais. Je voulais juste te dire que Agoué. Amène ta main, sois-toi. Agoué pète. Écrivez. Pète toujours. Et bon, comme le fofo d'or, elle ne sait pas se laver. Voilà, monsieur Tom. Tu parles de Bidjombo. Bêtise. Et bien. Flore, regarde comment il dit Bidjombo, les machins, les trucs. Ce monsieur qui fait semblant de t'aimer. Armand Laine, j'ai mes désaccords avec lui. Et c'est clair. Moi, je dis toujours, Jean, que c'est moi qui amène Armand Laine ici dans le showbiz. Quand Armand Laine venait ici dans le showbiz, quand il y avait une soirée, c'est moi qui dirigeais tout. Quand j'ai fini, j'amène la caisse. Je dis, Armand, voilà ce qu'on a fait. Il paye tout le monde. Il dit, la baronne, voilà pour toi.
Les gens croyaient toujours que c'était ma soirée. Voilà quelqu'un qui avait une soirée. Amand avait une soirée le 9. C'est pas pour parler de lui que dit que le défend. On a nos désaccords, mais je dis que la vérité. Le monsieur avait une soirée le 9 décembre. Flo avait une soirée le 9 décembre. Amand Lane décide de déplacer sa soirée. Amand Lane décide de déplacer sa soirée du 9 pour laisser la lumière à Flore. Pandjang Sang dit à Amand Lane que non, ne déplace pas ta soirée. Ne déplace pas ta soirée, laisse ta soirée. Flore veut nous montrer quoi? Hein? Amand Lane laisse sa soirée. Juste avant la soirée, Amand Lane, 3 jours avant, a eu un problème de cœur. Il était à l'hôpital 3 jours. Qu'est-ce que Pamessang a fait? Pamessang n'a jamais fait la publicité. Alors que c'est lui qui a encouragé Amand Lane de garder la soirée. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour des vues. Pour le fait qu'il a besoin des abeilles ou c'est quoi? Ou les abeilles donnent quoi? Je ne comprends pas. Ou tellement pour exister. Il a abandonné son propre frère Amand Lane qui sortait de l'hôpital pour aller se pavaner avec une veste rose à Paris. Alors que c'est lui qui a demandé à Amand Lane de ne pas déplacer la soirée. On peut être méchant comme ça. Moi, je ne m'entends pas avec Amand Lane, mais je ne peux pas lui faire ça. On peut être méchant comme ça. Donc, Flo, il ne t'aime pas. Il est venu pour les vues, pour se faire voir, pour exister. Il a abandonné son propre frère qui sort de l'hôpital. Parce que si Amand Lane était Flo de Lille, il n'allait jamais venir te voir. Il allait aller à la soirée de Amand Lane. Parce qu'il avait besoin de lumière, d'exister. Il a abandonné son propre frère dans les problèmes. Il a porté sa veste rose avec Ngonyok Céline. Ils sont partis sur Paris, il faut les voir. Avec une bouteille de champagne à main. Flo, tu sais pourquoi il a payé ta soirée? Parce que le monsieur ne paye pas. Hein? Il a encore l'argent de Simon Benda en Allemagne. Il n'a pas payé. Il est parti là-bas boire le champagne le matin. Il a dit qu'il n'a pas pissé. Il a fui. Moi, ne fais pas le Congo ça à Francfort. 420 euros. Moi, il dit ça. Oh, ah. Le monsieur ne paye pas. À Mulhouse, il n'a pas payé. Je parle ça. C'est parce qu'on avait là trop parlé que le monsieur Flo te guettait. Tu ne pouvais pas partir avec l'argent là. Et quand il a fui encore à Malin, il était obligé de payer. Le monsieur ne paye rien. Il ne paye rien. Même ici en Suisse, là, les gens qui travaillent pour lui, il ne paye rien. C'est un profiteur à vie. Ndé banquier, quel banquier? Un profiteur à vie. Donc, il est venu, il laisse son frère à Malin qui avait besoin de lui. Il prend la route, il traverse la Suisse. Il prend la route, Kounia, Kounia, Kounia. Alors que c'est lui qui a dit à Amand Lane de maintenir la soirée. Il porte ses pieds à Paris avec la veste rose pour se pavaner. Flore, qui es-tu? Flore, vraiment? Tu es-tu? Tu es la meilleure organisatrice. Mais il n'a personne qui l'aime que lui-même. À la première occasion, il va te clasher. Te voici! Dans les voix de sa mère. On la droite, on la ceci, on la cela. C'est toi, c'est de toi qui parle. Même quand on fait les soirées, il faut rester digne. Flore, même si tu fais les soirées, reste digne. Ce monsieur te déteste et à la première occasion, il va te tourner le dos. S'il a pu tourner le dos à Amand Lane, toi, tu n'es rien dans la sauce. Tu comprends? Tu n'es rien dans la sauce. Ce monsieur n'aime que lui seul. C'est un méchant aigri. Donc, moi, je vois, tu veux faire les amitiés, les machins, les ceci, là. Il n'aime personne que lui-même. Tant qu'il n'y a pas son profil, il n'est pas avec toi. Tu as compris? Son amitié, là, c'est... Quand tu écoutes ce genre de voice ou quelqu'un te descend, je dis bien que Amand Lane voulait déplacer sa soirée pour te donner la lumière. Le monsieur a dit non. Ce n'est pas le Congo, ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait à la dernière minute? Il lâche son frère pour venir. Il pouvait t'envoyer l'argent. Il dit que voilà 1000 francs. Même comme Lady t'a payé des tables pour ses. Lady t'a envoyé des fans. Est-ce qu'elle était là?
Il pouvait faire la même chose. Il t'envoie 2, 3, 4 femmes. Et il vient, il soutient Amaline. Amaline sort de l'hôpital, c'est lui qui contrôle la soirée. Il a abandonné les X-Maléa, il a abandonné les Ndabi Koko, il a abandonné tout le monde pour quelques lumières à Paris. C'est quelqu'un ça. Ce monsieur n'aime personne. Si tu as retenu, retiens. On va avancer. Excusez-moi. Il n'aime personne que lui-même. Personne. Il ne va jamais aimer quelqu'un. Personne. Tu comprends? Attendez, on finit. Je suis en train de définir les voices de sa mère. Il est où? Ouais, je prends ça. J'ai dit à sa mère de m'envoyer les voices, il a refusé. Me voici sur internet avec les publicités. J'ai écrit à sa mère que pour t'excuser là, donne-moi les voices. Il dit que la baronne, je ne donne pas les voix. Il dit ok. Il y a quoi? Il y a ça sur internet, non? Il dit qu'il ajoute même deux voix, ça, il a refusé. Il fait quoi? Voilà ça. Avec Amé a dit, hein, j'aimerais que vous m'aidiez. Assois-toi, Amé Kamé. Amé Kamé ne peut plus manquer de respect. Bonjour, mon fils, j'espère que tu vas bien. Ah, mon fils, Je voulais juste te dire que je crois que tu as écouté ce que Amé Kamé a dit. Hein. J'aimerais que vous mettez Amé Kamé à sa place. Amé Kamé ne peut pas me manquer de respect. Quand vous mettez Amé Kamé à sa place, Amé Kamé peut pas manquer de respect. Papa, tu as quoi en bas? C'est des tomates. Tu as quoi en bas? C'est des tomates. C'est des billes. C'est des biscuits. Tu peux pas t'asseoir. Toi, tu t'assois 9 heures de temps, tu m'insultes, non? Comment tu peux pas t'asseoir 15 minutes pour dire 2 mois ton frère Amé Kamé? Moi, je comprends pas. Tu as quoi en bas? C'est des biscuits. C'est des billes. Tu laisses les robes, tu traverses la. L'océan pour aller demander qu'on insulte à Mekka, mais je comprends pas la partie là. Aïe! Parce que il veut faire plaisir à des Bidjombimora. Bidjombimora, un tribaliste. Si tu n'as pas, si tu ne l'as pas écouté, il faut l'écouter. Ils aimeraient que Mekka, mais que vous le mettez à sa place. Flo est une commerçante, elle reçoit tout le monde. Le commerce, ce n'est pas la prostitution. Je vais vous raconter une histoire. Quand moi, j'ai commencé les problèmes avec mes sangs, il s'entendait super bien avec Plaisir Amout. Il a demandé pardon. Il a appelé la Suisse. Il a appelé le président Djibri. Il a appelé pas mal de monde pour faire la paix, pour arranger. Plaisir Amout. Il a demandé à Plaisir Amout d'arranger avec moi. J'ai dit à Plaisir Amout que je ne veux pas. Président Maud m'a parlé pendant près d'une semaine. Il me harcelait. Il dit que non, la baronne, tu vas te calmer. Président Maud aimait le couple là. Hein. Il dit que la baronne, il a même dit qu'il va prendre sa table. Il va donner 2000 euros. C'est moi qui va. Il va venir. J'ai dit à Président Maud, si c'est que ce n'est que lui qui va venir à la soirée là, mieux, hein, je paie tout ce que j'ai dépensé, les 40 000 euros là. Je ne veux pas voir le monsieur là dans ma soirée. J'ai décidé et puis c'était comme ça. Président Monté vivant. Il a tout fait pour venir à la soirée. C'était Catino, c'était ma toute dernière soirée. Parce qu'il avait tout fait pour gâter cette soirée. Catino et Francky Vincent. J'ai dit que lui là, mieux, hein, j'annule la soirée là. J'ai refusé. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'honneur. J'ai dit non. Fais le commerce, ce n'est pas la prostitution. Si quelqu'un peut te faire du mal, ne le mets pas à côté de ton pied. On n'est pas obligé de s'encombrer. Arrêtez vos bêtises là. N'est les commerçants, t'es pas avec tout le monde. C'est quoi ces histoires? Pour quelqu'un qui va demain te faire du mal, vous avez vu, il a fini l'amitié avec qui ça s'est bien passé. Personne. Voilà Gluta Boss. Voilà Gluta Boss. On connaît, on a vu le résultat. Il n'a mis avec personne. Regardez comment il parle de Flore. Vous croyez qu'il aime Flore? C'est faux. Arrêtez vos bêtises là. Quel est le commerçant? Elle va plus. Non. Entraînez dans les bêtises. C'est un méchant, il ne va pas changer. Écoutez, il faut l'écouter. Il aimerait que Amé Kamé, que vous le mettez à sa place. Écoutez. Il n'a aucun droit de me manquer de respect. Toutes les balles, toutes les insultes que j'ai prises sur sa personne, il ne doit pas se comporter comme ça. Bonne journée à toi. On est ensemble. Ciao, ciao.
Mais sinon, ne t'en fais pas, moi je peux plus arranger avec un verre. Écoutez, hein. Il n'est pas quelqu'un avec qui on peut marcher. Écoutez. C'est pour ça que j'ai prié. Même à mes caméras, quand moi j'ai dit je pose ma caméra, lui dit, et puis il n'y a rien. Combien de fois il a clashé à mes caméras ici là? Moi, lui, il dit ce qu'il pense. Et puis il n'y a rien. Lui, il a quoi en bas? Il est incapable de parler à Ahmed Kamel. Il donne l'argent pour qu'on parle à Ahmed Kamel à sa place. Mais regarde comment il parle comme un homme sur les voices. Non, mon fils, je n'ai pas pu parler à Ahmed Kamel. Pas besoin de... Pose ta caméra, tu parles à Ahmed Kamel. Et puis il n'y a rien. C'est pas possible. Si vous avez remarqué même sur la toile, il y a un bon moment, j'ai pris beaucoup de recul avec vous. Donc, c'est juste que ça s'est arrivé, mais c'est de bon augure, c'est bien pour moi. Parce que de toute façon, je m'étais déjà mis de côté. Non, il n'y a rien arrangé, ne m'en fais pas. Mais sinon, on ne t'en fait pas. Dites-moi la veuve joyeuse. Non, laissons. Ça, c'est la soie. Elle va sur ce terrain. Eh bien, là-bas aussi, je vais lui montrer. Et là, c'est. Patricia Mel qui dit, il donne le nom du mari de Patricia Mel. Quelqu'un peut être méchant comme ça de tout le monde? Excusez-moi, c'est la publicité. À force d'aller. Ça, mais c'est toi, je vais tout dire ça. Dès qu'il y a la publicité, dit que c'est toi. J'ai demandé les votes, tu as refusé. Elle va sur ce terrain. Là-bas aussi, je vais lui montrer que nous, les bassins, nous sommes guéris. Regardez-moi ça, les bassins des 10 peuples. Un moumou avec la tomate en bas. Qui attire les gens, donc mmh. Il dit à Samé que avant d'insulter, il met un titre qui attire pour mieux insulter. On peut être comme ça, mais on peut diriger quelqu'un dans le mal comme ça, on peut entraîner quelqu'un dans ce genre de chemin. Il dit que non, le titre que tu dois mettre, il faut mettre un titre qui attire, un titre méchant, qui fait que dès que tu vois que ça cuit, tu viens seulement. Comme ça, tu insultes mieux. Ah! Yeah. Un titre conséquent pour que les gens viennent regarder. Que les gens viennent regarder les insultes. Ça, c'est le nom de son mari. Uh-huh. Il donne le nom du mari de Patty Chamel pour qu'on aille mieux l'insulter. Mais c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous expliquez ça comment? Aujourd'hui, j'ai pas mis les lunettes parce qu'il faut que vous voyez mon regard pour mieux expliquer l'affaire là. Parce que si je mets les lunettes, il va pas bien comprendre. Il peut mettre les lunettes comme ça. Il peut mettre ses yeux, ses beaux yeux comme ça. J'ai pas mis les lunettes pour que tu vois mes yeux. Ah! On peut être dans la, on peut comploter pour faire autant de mal à ses compatriotes. Non! Le message qu'on t'a envoyé là, il y a son nom là, comme c'est compliqué à prononcer. Mais les mecs, le nom du mari de Patricia Mel. Il veut m'en donner. Et son nom de mari, c'est. Laisse Patricia Mel, sa mère. Mais son nom de jeune fille, c'est Mille Mec. Et sa date de naissance, elle a son âge, elle est née le 10 août 77. Voilà quelqu'un, il fouille dans la vie des gens. Patricia Mel, son mari, c'est comme ça. Il est né comme ça. Et il dit qu'il est homme de paix. Il fouille. Il donne de la matière à sa mère pour faire du mal à sa compatriote. Pendant ce temps, il rit ici sur Facebook. Non! Non! Incroyable! Son anniversaire vient de se passer là, il ne fait jamais l'anniversaire parce qu'il cache son âge. Patricia, mais qu'est-ce que tu fais jamais l'anniversaire parce que tu caches ton âge? Quand tu as levé 10 ans sur ton âge, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi! C'est le père qui a dit ça. Qu'est-ce que Patricia Mel? Tu n'as jamais fêté ton anniversaire dans tout le pays ici! Parce que ton âge, tu as coupé comme ça. Et que si tu fais, tu ne vas pas connaître le jour. C'est ce que lui l'a dit, ce n'est pas moi. Il transmet seulement ce qu'il a dit. Le Congo sale. Ah! Excusez-moi. Parce que tu n'as jamais fait ton anniversaire en bain. Pendant sans dire que tu ne fais jamais ton anniversaire. Parce que tu ne connais même pas le jour que tu as découpé ton âge comme le saucisson.
Découper ton âge, découper ton âge, découper, mettre le truc sur ça, le scotch sur ça, découper, mettre le scotch. Tu as tellement mis le scotch sur ça que même les jours, l'heure, tu ne connais plus. Donc tu fais seulement comme ça, que d'ailleurs tu ne fais même plus parce que toi-même, à force de mettre le scotch sur ton nom, sur ton âge, tu ne connais plus. C'est lui qui a dit, c'est moi. C'est le Congo, ça, non? J'ai dit seulement ce qu'il disait. N'étais pas chez moi, non? On peut faire ça. Que tu caches ton âge, c'est lui. Ah, le 10 août 77. Ah, que tu as dit 77, mais il connaît que tu es né en 66. Il a dit ça, ça m'a dit. Que ton âge est mélangé comme les saucissons. Mais lui, il dit que toi, tu dis partout que oh, j'ai 77. Oh. Mais lui, là, dans ses vérifications, c'est 66. Que ça me dit que c'est 66. Parce que comme elle ne veut pas fêter son âge, mais on dit son âge. C'est ce qu'il a dit. Mais le Congo, ça, c'est la guerre. Mais. Que Patricia, ce qu'il a donné, il n'a pas bien donné. Toutes les autres infos supplémentaires, il va donner ça demain à sa mère. Pour t'atomiser, non? Il y a quoi? Il va donner ça demain. Mais pour l'âge, là, il a bien expliqué. Mais il y a les infos complémentaires qu'il doit envoyer à sa mère pour que sa mère mette un titre accroché pour que tout le monde se verse là-bas, non? C'est le lait. Mais les infos complémentaires, on va donner, non? C'est lui qui dit. Ah, tu lances le direct de nouveau pour Patricia. Ça, mais tu lances le direct demain pour elle. Mince. Ouais, attends. Amel Kamé, c'est Orango là et 100 euros tous les mois. Bon. Mince. Je ne suis pas totalement guéri. On peut pas complètement beaucoup rire. Mais, on peut dire ça. Vous savez, la fille qu'on appelle Glutabos, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. La voici. Je vais vous montrer deux, trois trucs d'elle. Et je vais vous expliquer quelque chose. Elle est où là? Glutabos. Gluta. J'ai ici là. Moi, j'étais connu derrière tous ces conneries là. Glutabos. Où est Glutabos là? Notre Gluta. Où est Gluta? Bon, je ne vois pas trop Glutabos. Je veux Glutabos. C'est elle qui emploie compresseur pour le moment. J'ai vu la sortie de Glutabos. J'étais dans son direct d'ailleurs. Et je vais vous dire une chose. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais parlé. Je ne sais pas qui elle est, ce qu'elle fait. Mais je vous dis, avec mon observation, je crois à cette fille. Tout ce qu'elle a dit là, je suis sûr qu'elle a raison. À 100%. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec mes sangs. Je vous dis que quand mes sangs font quelque chose qui est bien, je le dis. Mais je connais tellement l'élément. Glutabos a dit que elle a payé pour que Flore, quand Flore devait passer à son direct, c'est exactement mes sangs. Qu'elle lui a payé les tennis, c'est exactement mes sangs. Qu'elle a payé tous les repas, c'est exactement mes sangs. Que quand ils étaient chez Patricia Mel, il a fait payer la voiture de sécurité, c'est exactement mes sangs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un couple machiavélique, il faut le dire. Le couple que vous voyez là, quand vous voyez un couple qui abandonne, sa femme a abandonné un nouveau-né, le monsieur est venu expliquer ça ici là.
Le monsieur est venu expliquer, donner des explications pour un homme qui abandonne, pour une femme qui abandonne un nouveau-né. Jusqu'à il s'explique. Ngonyo Soline que vous voyez là. Ce que Gluta Boss a dit là, je suis d'accord avec elle. C'est la pire. Elle est plus dangereuse que me semble. Moi, je le dis haut et fort. Pourquoi? Ngonyo Soline là. Ngonyo Soline. Elle vivait en Allemagne. Elle vivait en Allemagne. La fille a menti que sa maman est décédée. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Comprenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Hein? Elle a menti que sa maman est décédée. La réunion de l'Allemagne a cotisé l'argent. On lui a donné. Elle a organisé une veillée. Alors qu'elle mentait. Elle a organisé la veillée. Ce qu'elle dit là, c'est vérifiable en Allemagne. Ce n'est pas le Congo ça. C'est la vérité. On a cotisé, lui donné pour la veillée. Alors qu'elle n'avait pas eu deuil. Elle a porté. Elle a fait la veillée. Hein? Ce n'est pas qu'elle n'a pas fait la veillée. Elle a fait la veillée. On a signé les papiers, porté l'argent, lui donné à main. Elle a pris. Comme elle faisait une réunion. La réunion a encore cotisé. Maman, langa tcha les dos. Venez se cacher ici à Bâle. Venez se cacher ici à Bâle. Maman, n'est-ce pas quand tu as deux, les gens, ça sort toujours, non? C'est la soeur de Ngonyo Soline qui appelle que quelle maman est morte. Personne n'est mort. Tu as compris avec quoi? Personne n'est mort. Tellement ça avait fait du bruit en Allemagne. Elle a fui. Elle est venue se cacher à Bâle. L'autre là, pendant que ça vivait encore à Bâle, elle est venue se cacher ici là. Si quelqu'un dit que sa maman est morte, elle n'est pas morte. On cotise, on lui donne, elle prend. C'est quelqu'un qui a tous. C'est des gens qui sont sérieux. Hein? Deuxième histoire. Et c'est, ça, c'est vérifiable. Hein? Ceux qui vivent en Allemagne, allez demander. Je ne fais pas le Congo ça sur les gens. Je dis des faits. On a cotisé, on lui a donné. Elle a pris l'argent alors que elle n'avait pas d'œil. Elle n'a jamais eu d'œil. Deuxième des choses, le mariage au pays là. J'ai une amie qui avait participé. Je ne veux pas la mêler parce qu'elle a suffisamment de stress pour le moment. Je ne veux pas la mêler parce que moi, j'ai des factures. N'est-ce pas? Ils veulent faire les grands mariages. Maman, ils veulent la grande vie. Où est l'argent? Il n'y a pas. Vivez votre niveau. Wow, 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 on va se marier. Ils prennent les filles en Allemagne pour être filles d'honneur. Les filles sont en Allemagne. Peut-être qu'elles suivent la vidéo aussi. Fille d'honneur, pour aller au Cameroun pour le mariage. Chacune paye le billet. Il dit que non, payez les billets, on va vous rembourser, il y a quoi? Maman, chacune paye le billet. Les voilà. Au Cameroun. Ils arrivent au Cameroun. Qui court, rien n'est fait. Voilà les filles d'honneur, abandonnées. Les filles d'honneur ont cotisé entre elles pour le gâteau, pour faire le gâteau. Elle a dit qu'elle va rembourser. Les filles de prix, est-ce qu'elles avaient prévu de partir au Cameroun? Elles partent pour un mariage. Elles savent que c'est le banquier qui se marie. Quel banquier? On dit qu'à payer les biens, on va rembourser. Il y a quoi? Paye ça. Maman, chacun a payé. Est-ce qu'elles ont prévu le séjour? Laissez le séjour couvert. Chacune a porté ses pieds. Elles sont parties. Le gâteau de mariage, il y avait. Il n'y avait pas. Maman, la honte allait tuer les filles là. Elles ont cotisé entre elles. Fais un gâteau. Amenez. Le gâteau de mariage. Le faux mariage là. On a amené le gâteau de mariage. Les filles attendent qu'on rembourse. On a remboursé. Maman, elles sont rentrées ici en détail. Chacun s'est battu comme elle s'est battue pour dire que. Pour appeler sa famille en allemand. Que je dis, je suis calé ici au Cameroun. Je ne m'en sors pas. Envoie les dos. Donc, on a aidé les gens pour rentrer.
C'est, on a fait, chacun est rentré. Les filles, la calcul. Les filles ont parlé en allemand jusqu'à la salive est finie, non? Elles sont venues parler, non? C'est les gens comme ça. Même la salle où il y avait le mariage, ils n'ont pas fini de payer. Ces gens-là payent quelque chose, eux. Je dis bien, je ne fais pas le Congo ça. Ils sont passés boire le vin dans la soirée de Simon Benda en Allemagne. Ils disent qu'ils pissent. Ils ont porté leurs pieds, ils ont fui. Ils ont encore l'argent de Simon Benda dans le ventre. C'est des gens ça. Ils sont sur Facebook à bavarder. Tout ce que Gluta Boss dit là, ça se recoupe avec leur parcours. Gluta Boss ne ment pas. Cette fille dit la vérité. Tant qu'ils peuvent te gratter, te gratte jusqu'à la dernière énergie. Je dis bien que même qu'ils ont abandonné leur propre fille d'honneur au Cameroun, dans leur propre mariage, c'était le sauveur qui peut. Gâteau même, c'est elle qui a encore cotisé pour payer le gâteau de mariage. Mais il faut les voir nous embrouiller ici dehors. C'est Dieu dit ça. C'est la vérité. Donc moi, je voulais dire aujourd'hui là, à l'association Ndabikoko, les Bassas sont des gens dignes. C'est des gens qui ont lutté pour le Cameroun. C'est des êtres humains propres. Ndabikoko, c'est des Bassas. Les Bassas sont des gens avec une seule parole. Comment une grosse association comme ça peut prendre un égaré, un perdu, un menteur, un bandit comme porte-parole? Bandiansan peut représenter Ndabikoko. Que les Bassas de Ndabikoko se ressaisissent parce que c'est un peuple digne. Ce monsieur qui se bat avec toutes les femmes, est-ce qu'il, qui va vous prendre au sérieux? Est-ce que dans l'association Ndabikoko, il n'y a pas de juristes? Il n'y a pas de grandes personnalités là qui peuvent parler avec respect, qui ne sont pas assez pavanés sur les réseaux sociaux? Vous prenez qui pour vous représenter, Ndabikoko? Ce monsieur n'a aucune image. Regardez, il a abandonné votre propre membre qui est Amand Laine. À la première occasion, il a abandonné. Alors que c'est lui qui devait être devant en tant que porte-parole de Ndabikoko. Qui devait porter Amand Laine? Ce n'est pas lui. Il a fui, il a pris sa veste rose pour aller se vanter à Paris. Abandonner votre membre Ndabikoko qui sortait de l'hôpital. Il ne mérite pas de défendre les intérêts de Ndabikoko, qui est une association digne. Parce que moi, je connais, les gars Bassos sont des gars dignes, proposés. Comment ce monsieur-là, il va aller discuter quoi? Un monsieur qui discute avec les femmes matin, midi, soit sur Internet. Comment il peut défendre vos intérêts? Une grosse association comme Ndabikoko. Un monsieur assez pavané. Un monsieur a monté des coups pour faire du mal à leurs compatriotes. Il est porte-parole d'une aussi grosse association. Non. Soyez un peu plus grand, Ndabikoko. Je suis désolé, ce n'est pas mon association. Je ne fais pas partie. Mais j'estime que... Je dis que la seule association où on l'a mis, c'est les jeunes du RDPC. Le gars a porté la caisse, il a fui. Et puis, il n'y a rien. Les PTT là, ils demandent aux PTT là que chacun doit cotiser 250 euros. C'est une association, c'est un quoi? Comment quelqu'un peut être lié plus mal? Qui a expliqué les Camerounais? Le monsieur était devant. Vous prenez quelqu'un comme ça, comme partout parole. Il ne doit représenter que lui-même. Il ne vaut rien. Je suis désolé. Ndabikoko doit prendre un peu de la hauteur. Ndabikoko doit prendre un peu de la hauteur. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme ça qui vous représente. C'est pas possible. Quelqu'un qui se bat avec toutes les femmes sur la toile. Les vrais hommes. Hein? Moi, je vais dire, il y a les VP de Londres que moi j'engueule. Mais les gars sont sur le terrain politique. Amé Kamé, moi je l'engueule et tout. Il est dans le Congo. Ça, mais quand il y a la politique, il est quand même là. Hein? Mais le monsieur est seulement au milieu des gars. Et vous allez voir quelqu'un d'égoïste comme lui. Observez. Sur sa page, ce n'est que lui et son épouse. Ce monsieur n'a jamais prêté sa page, même pour parler de Ndabikoko. Pour parler, pour lancer l'association, pour parler des choses, pour parler de vos activités. Il est porte-parole dans quoi? Sa page, c'est seulement, il va seulement inviter les gens quand ils cherchent les vues. Oh, Fleur vient parler, oh, tel vient parler. Il invite que les femmes. Il ne va jamais même se déplacer pour aller sur la page et quelqu'un prendre la parole pour parler. Non! Le monsieur veut les vues. Il veut lui. Il veut exister. Il veut, c'est lui.
moins. Il n'est que, il n'existe que pour lui. Il n'existe pas pour les autres. Même ses vues ne servent pas à faire quelque chose de bien pour les autres. Vous allez voir sa page. Ce n'est que ces choses. Il va parler de quoi? Voilà une page d'un monsieur. Il est dans le Congo, ça, permanent. Vous pouvez parler sur sa page. Il a un projet, il défend quelque chose. Vous allez voir sur ma page. Il y a la publicité de ci, il y a tel artiste, il y a ceci, il y a ceci. Il y a les moments où on parle de Congo, ça. Mais on ne peut pas être sur une page. Vous parlez sur la page, c'est seulement le Congo, ça. Tel qui insulte, tel, il partage. Mais Nabi Koko, et il vous le présente? Non, ce n'est pas sa place. Vous devez revoir ça. Je suis désolé. Les Bassas sont des hommes dignes, intègres, debout, qui ont lutté fort pour ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est des gens qui ont une seule parole, pas deux. Des hommes debout. Quand vous regardez, je ne connais pas cette fille qu'on appelle Gluta Bosse. Je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais parlé. Voilà une dame qui sort de nulle part, qui fait son commerce depuis plus de 5 ans. Elle ne connaît pas la fille depuis. Elle fait ses choses tranquilles. Elle porte les deux chambans. Elle met à côté d'elle. Nous voici mélangés sur la toile depuis 2 mois. Pour une histoire de vente de produits. À chaque fois qu'il pose ses pieds quelque part, il y a des problèmes. La femme d'autrui faisait ses choses tranquilles. Tout ce qu'elle a fait, elle a payé. La publicité, elle a payé. Tout ce qu'elle a fait, elle a payé. Mais quand ils veulent lancer leur produit et faire du mal, à la première occasion, ils ont commencé à attaquer la dame et mélanger tout le monde. Il est sur le net, en train de mélanger tout le monde. Ce n'est pas bon. Ce monsieur est méchant. Donc, Nabi Koko, je vous en supplie, réfléchissez. Réfléchissez. Il n'a pas sa place. Il ne peut pas vous représenter. Il ne peut pas parler d'un projet sérieux. Parce que c'est une association pour avancer, pour faire parler des projets, pour construire dans la région Bassa. Pour développer les projets. Mais quelqu'un qui est dans le Congo, ça matin, qui va le suivre même dans ses projets? Qui? Il est debout là, rempli devant une petite télé. Quelqu'un d'abord qui manque les banquiers. Alors qu'il livre les paquets. Est-ce que quelqu'un comme ça doit être votre porte-parole? Quand quelqu'un manque déjà, il est disqualifié pour parler avec vous. Disqualifié! Tous les scandales le suivent. Donc ça veut dire que tout projet qu'il va amener, s'il vient, il va voir peut-être, disons qu'il va voir une commune avec Nabi Koko. Il donne son nom. On donne son nom, porte-parole 4. Qu'est-ce que les blancs font? Ils te cliquent sur Internet. On va sortir, dès qu'on va cliquer Google, on va le voir en train de dire à Nadège Mbapake, Natacha Bijou, les Bijou qui mal, les ceci, la baronne, on va voir la baronne, mais Grimobé, vraiment ceci, vraiment cela, on va taper ceci. Le blanc va lui dire, c'est qui ici? On ne va voir aucun projet constructif, rien de politique, aucune défense, rien. On ne va voir que les clashs. Donc, on va vous refuser les projets. Vous n'allez jamais comprendre pourquoi on vous refuse le projet. Parce que celui que vous posez devant, son CV est noir comme mon téléphone. Que son CV est noir comme mon téléphone. Ils ne vont rien vous dire. Ils ne vont pas parler. On va seulement vous dire, non, vraiment, désolé, nous ne faisons pas dans cette autre crue. Non, désolé, vraiment, nous ne faisons pas dans ce chemin. Non, désolé. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors que vous êtes là pour, peut-être vous pouvez avoir des financements pour aller faire des choses. Mais celui que vous avez envoyé devant là, son casier est trop sale pour vous représenter. Nabi Koko, vous devez réfléchir. Oui. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, tout ce que Gluta Bosse a dit là, croyez-la. Quand vous voyez son parcours, croyez-la. Il dit même que son propre mari, même la salle de Douala, il n'a pas fini de payer. Les hôtesses, il a abandonné. C'est quelqu'un qui vit, il t'explique, tu ne comprends rien.
avait une femme qui a abandonné son enfant. Elle a dit, oh, c'est lui qui est venu nous expliquer. Elle-même, elle est partie. Chope les dos de la réunion. Les gens comme ça, on peut les faire confiance. Mais ces deux chefs mbang. Ces deux chefs mbang. Donc moi, je vais dire ici, avec beaucoup de calme, que moi, je sais que comme il a fait le divers là, il va faire 10, 20, 30. Moi, lui, tu lui dis que tu peux me faire 150 000 direct. Je ne réponds pas. Mais quand je veux, je réponds. Et sa mère, si elle est voice, si il sort, envoie-moi les voix, ça, je vais faire écouter. Moi, ce n'est pas le problème, non. Je vais faire écouter. Il sort, tu me donnes tout ça. Je pose seulement. Moi, quel problème? Tu me poses une cause. Et c'est moi qui donne le rendez-vous. Je m'assois et pose. Parce que je sais que il est tellement aigri, jaloux, méchant, qu'il met beaucoup de choses par terre. Et je sais que ça met encore beaucoup de choses. Parce que tellement il a la haine, il ne se rend même pas compte. Oui. La haine n'est pas bien. Et je vais dire à mon frère, à Manlène, on a nos différences, ça c'est clair. Mais le monsieur là, si tu es parti à l'hôpital, Dieu t'a ramené. Le monsieur là t'a abandonné. Ce n'est pas ton ami. Même moi, quand on avait promis, t'es jamais abandonné. Oui. Et Dieu seul sait que toi et moi, on ne s'entend pas. Mais si on s'entendait là, moi là, en Suisse, je suis ici. Tu as un truc, tu sais que je serais là. Mais ce monsieur là, il t'a dit que ne déplace pas ta date pour Flore. Mais à la première occasion, il t'a abandonné. Guta Boss, quand vous voyez comment le monsieur a abandonné son frère à Manlène, vous croyez que Guta Boss n'a pas raison? C'est quelqu'un qui doit parler encore sur Internet. C'est, c'est deux couples des égarés qui se plaignent. Ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants. Ils vont sortir samedi là. Oh, voici les voices. Oh, la baronne. Trimobet. Ceci, ceci. Ils vont parler, mais ils vont dire quoi? Ça met un mille le zouk dehors. Et puis ça chauffe pas. Tout ce qu'ils vont dire là, ça n'a pas parlé que il a dit c'est sa voix, c'est lui qui dit, il n'a pas démenti que c'est pas lui. Il dit que lui aussi il a les voix. Mais alors tes voix sont voix. Tu as quoi? Hein? Mais on voit. Même si tu mets, tu es le un monsieur de 70 ans encore en train de se trimousser dans le Congo ça. Ça met jeune non? Ça met pas fait le Congo ça? Il a le temps de grandir. Mais toi, tu vas à 70 ans, la laque va tuer tes cheveux. Mais tu es encore dans le Congo, ça? Ça, mais je peux le comprendre. Moi-même, ça m'a insulté combien d'années? Mais est-ce que j'ai répondu à ça, mais un jour? Parce que j'estimais qu'il ne devait pas... Vous m'avez déjà vu m'asseoir un jour, faire une vidéo pour ça, mais jamais. Parce que j'estimais que ce n'est pas nécessaire. Et je vais vous dire une chose encore, pour finir. Compresseur. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Je crois une ou deux fois, je ne sais pas. Enfin, je crois, je l'ai vu une fois ou deux fois, je ne sais pas. Enfin, la fois où je l'ai vu, on s'est parlé. C'était à la conférence de presse de Lady Ponce. C'est moi qui avais demandé qu'on lui envoie l'invitation. Elle est venue. J'étais venu, j'étais là tôt. Compresseur arrivé avec Patricia Mel. C'était la première fois aussi que je vois Patricia Mel. On s'est salué tout et tout. Elle est montée. Elle me dit, c'est toi là-bas. J'ai dit, oui, j'ai dit, bienvenue, assois-toi et tout et tout. On a sympathisé, on a parlé. Elle me dit, mais Internet, c'est quelque chose. J'étais parlé une ou deux fois, mais franchement, tu es quelqu'un de poli, gentil. En vrai, elle était choquée. C'est la seule fois qu'elle m'a vue. Et elle a été. Et moi aussi, je l'ai vue, je l'ai trouvée très gentille, posée. C'est la première fois que je la voyais. Et je crois que je ne l'ai plus vue. Donc, pour vous dire que. Parfois, les gens ne connaissent pas les autres et ils parlent. Moi, pour moi, je ne peux pas juger Compresseur, juger Flore, juger ci, juger ça. Bon, Flore, je la connais un peu plus, tu vous voyez, parce que j'ai fait deux, trois choses avec elle, tu vois. Perpétue, je l'ai vu une ou deux fois. Mais je vais vous dire, j'ai vu Patricia Mel, c'était bien. Même Lolo, moi, je ne parlais pas à Lolo en ce moment-là. Mais j'ai demandé qu'on lui envoie son invitation. Et Dieu seul sait que c'était le moment qu'elle est clashée propre.
Mais j'ai envoyé son invitation. Lolo était à la conférence de presse, non? J'ai posé le vin et la bu, non? Il y avait le vin, les gâteaux, tout. Il a dit, non, mais c'est toi. J'envoie tout, c'est vrai que allez vous occuper d'elle. Parce que je n'ai pas la haine dans le cœur. Mais sans a la haine dans le cœur. Et quand vous le voyez, il monte les coups, il s'organise, il arrange pour qu'on fasse du mal à ses compatriotes. C'est pas bon. Non, c'est pas. Si tu n'es pas d'accord avec une de tes compatriotes, tu t'assois, tu lui parles. Tu lui parles et puis vous trouvez une solution. Moi, je vais parler en fini à un petit frère du Camer. Mon petit, refuse ce rôle que tu veux faire. C'est pas bon. Quand tu regardes le parcours de quelqu'un, moi, je t'ai vu. Je suis l'habilleuse. On s'est parlé. Tu m'as expliqué. On s'est compris. Et je t'ai dit que tu es un petit frère. Continue ton travail. Je ne peux pas juger les gens sur le net et tout et tout. Le paquet que tu veux porter du grand-père, là, il va te déposer en route. Si tu regardes son parcours, il a fait les problèmes avec tout le monde qu'il a rencontré. Personne n'est mieux que lui. Tu te bats pour quelqu'un qui ne reconnaît pas la reconnaissance. Si tu as quelqu'un comme lui, qui a abandonné Armand Laine, aujourd'hui là, j'ai le problème avec Armand Laine. Mais ça n'est entré. Nous pouvons commencer là. Mais sans. Armand Laine prenait me sent comme son double. Il n'a pas hésité à l'abandonner. Le monsieur sort d'un problème cardiaque à l'hôpital. Qui devait être devant pour lui donner la main. C'est me sent. Il a abandonné ce monsieur sur la rue. Il est parti se pavaner à Paris. Tout ce que tu fais pour lui, je vois, il partage tes vidéos. Tu te prends les balles pour rien. Du Camer, c'est une grande soeur qui te parle. Voilà l'année qui commence. Ne mène pas les combats qui ne sont pas les tiennes. Bats-toi avec les gens qui t'ont attaqué. Ne te mêle pas des choses des gens. Laisse le monsieur dans ses problèmes. Parce qu'en allant monter qu'on fasse du mal aux autres, il n'a pas demandé ton avis. En allant faire du mal aux autres, il n'a pas demandé ton avis. Quand tu as tes problèmes ici, il n'a jamais fait une vidéo pour te défendre. Quand tout le monde t'a insulté, il ne le fera jamais. Tout le monde qui l'ont défendu ont fini par comprendre. Du Camer, si ce monsieur a abandonné son propre frère, tu n'es pas son frère. Voilà l'année qui commence. Ne te fais pas les ennemis pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà le conseil de grande sœur que je te donne avec un cœur. Tu as compris, non? C'est un conseil de sœur. Voilà. Laisse-le dans sa mère. S'il veut se défendre, sa mère a posé des voices. Sa mère a dit qu'il a fait ceci. Tout simplement, il pose sa caméra. Il dit que c'est faux. C'est pas vrai. Il se défend. Non. D'accord? Mais ne te prends pas ça, mon petit. Il n'en vaut pas la peine. Crois-moi. C'est un conseil. Ne prenez plus la malédiction des autres sur les réseaux sociaux. C'est une place. Si tu as le problème avec quelqu'un, gère avec la personne. Ne pas, pas te mettre à défendre quelqu'un qui demain ne pourra même pas. Si demain là, tu as le problème là, mais ça ne va jamais mettre sa caméra pour te défendre. Tu l'as vu défendre qui ici sur le net. Tu l'as vu. La seule personne qui l'insulte, c'est Président Amour parce qu'il est jaloux. Mais tu peux avoir des problèmes jusqu'à demain. Le monsieur ne va jamais mettre sa caméra là pour dire que, comme j'ai dit que, soutien total à Apollo Ring ou non. Il ne va jamais faire ça. Il va laisser, on va t'insulter. Il va venir online. Non, mon petit, c'est que, mais devant, il ne va jamais le faire. S'il n'a pas défendu Ahmed Kamel, son frère, ce n'est pas toi qu'il va défendre. Donc, papa, abandonne ce vieillard aigri, jaloux, méchant. Gère tes choses une place. Il n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui abandonne son frère,
n'en vaut pas la peine. Je vois, tu es là, matin, tu cries partout, tu cries le matin, tu cries le soir, tu peux même te perdre quelque part pour rien. Tu prends les malédictions pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. On défend les convictions et les vraies personnes. Pourquoi tu perds le temps à te mettre en face de quelqu'un qui demain ne peut même pas poser sa caméra pour te défendre? Hein? Il n'en vaut pas la peine. Un homme qui n'a pas, qui ne porte pas ses couilles, il n'a pas le courage de se battre contre les gens, il envoie les gens. Tu penses que demain, il peut poser sa caméra pour te défendre? Regarde, ta page est remplie avec tes vidéos. Du Kamer, moi j'étais connu sur le net parce que tu dénonçais l'état du Cameroun. Tu n'as pas attendu Pan Jansang pour faire ça. On peut dire que tu es un peu éparpillé, mais tu as quand même des convictions. Reste dans tes convictions. C'est le conseil d'une sœur avec un cœur que je te donne. Vraiment, ce n'est pas un clash. C'est un conseil de sœur. Enlève ton pied. Que le monsieur là, s'il n'est pas d'accord avec sa mère, il vient poser son pied, il parle comme un homme. Qu'il arrête d'avoir les mimbangs frelatés, les mimbangs en tomate. Qu'il arrête d'avoir les mimbangs en tomate, dis donc. S'il ne peut pas parler, qu'il se taise. Mais s'il peut parler, qu'il pose sa caméra. Il a posé sa caméra 9 heures de temps pour m'insulter, non? Donc, il peut aussi poser la caméra pour parler. Moi, là, il m'a insulté 9 heures, 10 heures de temps. Il y a les jours qu'il fait les vidéos 2 semaines sur moi. Hein? Ça veut dire qu'il peut insulter, non? Il peut dire ce qu'il pense. Pourquoi il a besoin de toi? Hein? Mon petit, je t'ai vu. Tu m'as parlé. Laisse. Laisse le père là. Dans... J'ai dit que les gens qui abandonnent des nouveau-nés, qui mentent sur la mort des gens, ils n'en vaut, ils ne valent. J'ai dit qu'ils ne seront jamais là pour toi. J'ai dit qu'ils ont abandonné à Manlène. Ce n'est pas le Congo ça, c'est la vérité. Rien que ça, ça devrait te parler. Tout ce qui est mauvais, les gens là, ils rôdent autour. Tous leurs amitiés, il n'y a pas un pour sauver l'autre. Même Glutabos. Glutabos vendait ses produits ici. Zéro Congo ça, tout le monde était calme. On n'entendait rien. Oui, chacun faisait. J'ai vu Aïcha Kamoaz, elle a vendu. Elle s'est mise avec toi, Kribienne, elles ont vendu. Tout le monde fait ses produits. Je vois les gens, chaque jour les produits sortent. On n'a jamais eu de problème sur la toile. À peine ils ont posé leurs pieds dans les produits, ça fait un mot, ne respire pas. Mélanger tout le monde. Gâter le coin, mélanger. Parce qu'ils veulent exister que par leurs produits. Ils veulent mettre Glutabos par terre. Qui les a amenés dans le projet? Hein? Pour exister. On peut être méchant comme ça? Vous ne comprenez pas quoi? Ces gens sont des méchants. Ils ne veulent exister que pour eux. C'est des égoïstes nés. Oui, je vais le dire jusqu'à demain. Moi là, il a tout fait pour refaire la paix avec moi. Il dit qu'il ne veut pas. Ce n'est pas le Congo ça. Il a tout fait. Ma petite sœur là, baronne. Je dis que toi là, je peux m'asseoir pour pouvoir le voir avec toi. Qui? Non, jamais. Ce n'est pas mon ami jusqu'à demain. On ne peut rien se dire. S'il est assis même quelque part, il traverse. Oui, je ne veux même pas être dans la même pièce que lui. C'est un choix. On n'est pas obligé d'être amis. Pourquoi? S'il arrive à Paris dans un restaurant, il est assis, je tourne le pas. S'il vient me trouver, je paye mon truc, je pars. Je suis obligé de rester là. Pourquoi? Il ne me sert à rien. Je ne veux pas être dans la même pièce même que lui. Oui. Si je suis dans une soirée, j'arrive même par respect. Je trouve qu'il est là, dans la soirée. Je guette. Si c'est un champagne, je vide sa bouche. Je ne suis plus là. Parce qu'on peut se perdre, il vient même danser avec moi, on me fait la photo, non? Je ne veux pas. Ce n'est pas mon ami. Oui, je ne veux pas. C'est un choix. La vie, non, je ne veux pas. On ne peut pas être avec des gens qui font des problèmes à toute la grande communauté camerounaise. Et c'est le problème avec tout le monde. Il n'y a pas un qui s'en sort. Et pour le tribalisme.
Biyo Bidjo, il insultait les Bamileke. Il était les Bamileke de Biyo Bidjo. Hein? C'est un gros tribaliste égaré. Un monsieur méchant, jaloux, aigri. Qu'est-ce que je veux faire avec quelqu'un comme ça? C'est quelqu'un que, s'il y a une guerre civile au Cameroun, ils seront prêts à faire du mal. Oui. Quand tu l'entends parler dans les voix de sa mère, il est dangereux. Il est très dangereux. On n'a rien à sombre. Rien. Il a dit qu'il va me porter plainte au Cameroun. Moi, j'attends, non. Il lui a dit que ici, je viens en Beng. Tu veux, tu me portes plainte en Beng. Il a la force de porter plainte en Beng. Nadège Mbapala a raté là-bas, en France, là-bas. Il va gagner le procès avec qui? Il a porté plainte à la veuve Joie. Il est parti lui m'enlever. Avec les voix qu'on a là, que quelqu'un qui prend la haine, il peut gagner quoi qui ici? Si il dit qu'à chaque fois qu'il pose plainte à quelqu'un, vous ne partez pas là, vous partez sur Internet pour ramasser tout. Vous allez donner un juge. Quand les blancs là vont voir, vous ne discutez pas, vous donnez à votre avocat, vous dites qu'on met seulement le truc. Comment on dit? Un projecteur. Tu dis que on donne 3 heures. Tu fais seulement la conspiration là, une insulte là. Tu dis au juge que fermez la salle, on éteint les lumières, on verse, on le pose. On le voit gros debout comme ça là, le papa lait. Avec l'eau debout comme ça là, avec la couleur orange citron. Posé debout comme ça là, en train de dire des gros mots dans sa grosse tête et sa grosse bouche là. Ça va seulement traumatiser les blancs là. Ils vont dire que bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ils sont pas habitués à entendre des choses comme ça. Ils sont pas habitués à entendre ce genre de gros mots. Moi là, alors, qu'est-ce qu'il a fait, j'étais quoi? Mais parti, mais attends. Mais moi, j'ai entendu, j'ai dit que mais un peuple dit ça. Tu ne dis que pas, tu dis qu'on éteint la lumière parce qu'il faut qu'on voit bien son gros corps là. On fait le projecteur, on pose, on fait. Tu t'arranges que tu loues un gros machin. Tu loues ces gros. Parce que comme ça, quand ils sont dans la salle, ils effraient d'abord les magistrats qui sont derrière là. On met sur un tout un mur. Quand on met, il sort sa tête comme ça, ça effraie d'abord les magistrats. Comme il a tué les lunettes là, avec son gros corps là, qui remplit là. Il là. Le corps de ta mère. Mais deux. Les blancs ont dit, ça c'est qui ici? Ils sont, on voit comment ça bouge pas, les gros mots sautent, les biyorbidjom, les machins, fait comme ça, tête comme ça, fait comme. Les blancs, là, même son avocat, parce que non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais! C'est bon, laissez la restriction est terminée, c'est bon. C'est bon, on a vu, non? C'est bon, laissez comme ça. C'est pas fini. Tu dis que non, l'avocat, ouais, on vous a fait quoi? Laissons. Ok. Et puis au même moment, tu dis dans la salle que il y a quelqu'un qui l'encourage, c'est sa femme, elle a la régie. Tu dis que excellence, mes chers avocats, mes chers compatriotes, monsieur le juge, il y a une personne qui est très dangereuse dans l'affaire. Le juge va dire oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui? Vous dites la femme qui est à côté là. Comment? Je dis, monsieur le juge, tout ce qu'il fait là, il est debout devant la télé, comme vous le voyez gros là. Voici l'instigateur ici. Qui? Il dit que non, la femme qui est là-bas, elle. On l'appelle madame la régie. C'est elle qui pilote tout. C'est elle qui efface les mauvais commentaires. C'est elle qui met les bons commentaires. C'est elle qui grossit sa tête. C'est elle qui maigrit sa tête. C'est quand il ne suit pas beaucoup, elle donne les mots. Elle donne. Et si tu réponds, elle t'efface. C'est elle. C'est monsieur et madame les juges. On l'appelle Marie la régie. On dit que Marie la régie, c'est qu'elle dit. Excellence, c'est elle qui est assise là-bas à côté. C'est elle. Elle ne parle pas, excellence. On lui pose la question. Elle répond. Elle dit que elle peut parler. On dit qu'elle ne parle pas. On dit que monsieur le juge, vous voulez voir comment elle parle sur Internet? Elle ne parle pas beaucoup parce que c'est un peu compliqué. Mais elle fait quand même les vidéos, hein, monsieur le juge. Quand elle fait les vidéos, elle fait les condiments, les machins. Mais c'est elle qui est dangereuse dans l'affaire, monsieur le juge. C'est Marie la régie. Oui. Le juge, ne regardez pas celui, le monsieur plein de lait qui est debout là. Ne regardez pas le monsieur plein de lait qui est debout là. Lui là, c'est le bruit.
c'est celle-là, Marie la régie. Quand il n'insulte pas beaucoup, elle envoie les mots. Le juge dit que quoi? Tu dis que non, monsieur le juge. Quand les mots ne sont pas assez doux, assez posés, elle dit que dis encore comme ça, dis encore. Elle ne dit pas comme ça, elle écrit. Et puis quand il est coincé, tu cales sur la vidéo, la partie. La régie, s'il vous plaît, tu répètes ça. Tu fais la régie, s'il vous plaît. Dès qu'on dit la régie, s'il vous plaît, tu dis le juge, c'est elle là-bas. Marie, la régie, c'est elle. C'est à elle qui dit. C'est un couple qui se mélange pour faire du mal. Oui. Quand elle dit que la régie, c'est elle, monsieur le juge. C'est tout, non? C'est pas fini. C'est pas fini. Oui. C'est ça. Marie, la régie. Ngonyok Céline. Tu dis au juge que, monsieur le juge, en plus de s'appeler Marie la régie, son petit prénom, c'est Ngontouma Nyok Céline. Le juge dit pardon. Tu dis, monsieur le juge, on dit dans notre dialecte, hein, nous on vient du Cameroun là. Ngontouma Nyok Céline. Comment? Nyok Céline veut dire quoi, madame? Monsieur le juge, c'est mieux que vous ne comprenez pas. C'est Nyok Céline. Ngontouma. Tu dis ça, non? Tu dis ça au juge? C'est tout? Et puis, il y a quoi? Et puis, Ngontouma Nyok Céline, tu dis que monsieur écrivait comme ça, là, dans le rapport, disait, dit que Marie la régie, alias Ngontouma Nyok Céline. C'est tout? Comme ça, on reste comme ça. Le juge dit que monsieur, j'ai écrivait ses mains. C'est elle qui gère le monsieur. Vous avez le monsieur qui a rempli le mur là, non? Seigneur Céline. Seigneur Céline. Oui. Ngontouma. Marie la régie. Donc, hein, la fille qu'on appelle Guta Boss là, elle, tout ce qu'elle dit, elle a raison. Les gens qui veulent la juger là, vous ne voyez pas qu'elle est cohérente quand elle parle? Vous ne voyez pas qu'elle est, quand elle parle, elle est posée? Vous sentez quelqu'un qui a senti ça dans sa chair? Moi-même qui vous parle là. Mais les gens là m'ont invité. Mais vous parlez quoi? Le monsieur m'a parlé. J'étais avec Petit Pays pour ses 30 ans à Bâle. Il m'a supplié des semaines pour aller manger chez lui. Petit Pays me dit que la baronne, ton histoire qu'on doit aller manger chez les gens là, je ne veux pas. J'ai dit que non, Tubo, c'est que j'ai parlé. Tubo a dit que allons. Je vous jure, on n'a même pas fait 20 minutes chez lui. On est arrivé parce qu'on n'était pas en retard. Il fallait que j'aille faire la salle et tout et tout. On a mangé, effectivement. Qui nous conduisait? C'est Didier Mousse. On a bu, on logeait au nouveau hôtel. On a fini, on a bu un peu. Petit Pays ne boit pas d'alcool d'ailleurs. De temps en temps, un truc, mais il ne boit pas d'alcool. Il a bu de l'eau, j'ai pris une Guinness, on a fini, on n'a pas fait 10 minutes. On a pris à peine des petits morceaux, on est parti. Maman, le père l'a dit que j'ai dormi sur son canapé, j'ai bu la Guinness épicée. Vous vous rappelez de l'affaire? Moi, j'ai dormi sur son canapé. Son salon, ce n'est même pas ma chambre où je dors aussi, à l'époque, à Bâle. Le monsieur dit que j'ai pissé sur son canapé. J'ai confirmé. Dieu merci ce jour. J'ai appelé. Je n'étais pas seul. Il y a quelqu'un qui était là, qui est venu témoigner que c'est faux. On a fait 20 minutes là-bas. 20 minutes. Ce jour, la petite paix était dans le direct. Je l'ai appelé, dit que mince. Il dit que je t'avais dit. On peut mentir comme ça? On peut mentir comme ça? Voilà ce qui m'est arrivé à moi. Si ce monsieur peut mentir sur moi, en présence d'un artiste, pourquoi il ne va pas mentir sur Guta Boss? Donc, tout ce qu'il va dire là, c'est nul et de non-effet. Parce que nous, on a ces voices où il parle, où il donne les ordres pour faire du mal aux autres. Ça là, on ne peut pas discuter avec quelqu'un. Vous comprenez, non? Puis, il n'y aura rien. Sa mère, s'il sort, hein, tu envoies le reste des voices là. Il veut faire jouer. Moi, j'ai le temps pour ça là. Lui là, c'est ma cible.
Quelqu'un qui a insulté mon mari, qui ne lui a rien fait, un monsieur handicapé, que ce n'est pas lui qui a choisi. Ce monsieur était debout. Du jour au lendemain, sa vie a changé. On a fait 4 ans dans les hôpitaux. Ce monsieur, quel hôpital je n'ai pas fait ici avec ce monsieur? Double cancer. Plus de 10 opérations. J'ai fait tous les hôpitaux avec mon mari. J'ai dit que à la vie comme à la mort, ce monsieur vient l'insulter handicapé. Quelqu'un que j'ai épousé debout. Je devais l'abandonner. Parce qu'il est tombé malade du jour au lendemain. La vie de mon mari a basculé du jour au lendemain. Moi, je suis parti du travail. Je suis parti le matin au travail. Mon mari était bien. Tout allait bien. Mon mari a eu un AVCV 12 heures. Dieu merci, notre fille était à la maison. C'est ma fille qui a sauvé la vie à mon mari. Je ne vais jamais oublier. C'est ma fille qui m'appelle, qui me dit, papa est bizarre. Je le prends le téléphone, il me parle. Il me dit, non, tout va bien, c'est que mes yeux tournent un peu. J'ai dit que non. Appelons quand même l'ambulance. Quand j'ai appelé l'ambulance, à 15, mon mari était dans le coma. Plus de 6 mois. Jour et nuit. J'étais la mère. Est-ce que vous m'avez vu parler sur le net? J'ai fait 4 ans d'hôpital. Il vient insulter un monsieur qui ne lui a rien fait. Les artistes connaissent mon mari. Beaucoup d'artistes sont venus chez moi à la maison. Lui, là, il a eu seulement le petit Covid, là, ça a failli l'avaler ici. Moi, je l'ai insulté de ça. Parce que je respecte la maladie. Si lui, là, je l'insulte tous les jours. Mais si un jour il est malade, là, je vais me calmer. Tant qu'il est debout, je vais dire ce que je pense. Mais si un jour, j'apprends qu'il est malade, je vais fermer ma bouche. Je ne suis pas comme ça. Moi je ne fais pas du mal aux gens qui sont par terre. Mais il insulte un homme qui ne lui a rien fait, qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. Que pauvre handicapé. Un monsieur qui a tout fait, qui a souffert. 3 fois AVC. 2 cancers. 10 opérations. Il est encore debout. J'espère que Dieu va te donner cette grâce. Moi, je suis fier de m'occuper de mon mari. Les médecins viennent chez moi matin et soir. Et je suis fier de ça. J'ai dit que je vais être là jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle. Et je prie Dieu que Ngonyok Céline, un jour, si ça t'arrive, qu'elle t'assiste comme ça. Parce que la vie, c'est pleine de surprises. Ou que si ça arrive à Ngonyok Céline, tu sois là pour elle. Que tu ne sois pas seulement là pour boire le champagne. Et que si un jour, il a un malheur, tu n'es pas là. Et je serai là pour mon mari, à la vie et la mort. Quand il part à l'hôpital avec lui, là, moi, je n'ai jamais honte que si on me filme, si on me ceci. Je le mets, je sors sa roulette, je le pose là. Si on veut me filmer, je passe dans tous les hôpitaux. Où il te parle là, mon mari, à l'hôpital. Est-ce que tu m'as vu parler? Je suis sereine. C'est le Seigneur qui va décider un jour. Depuis le jour que tu as insulté ce monsieur-là, toi et moi, là, sur la toile. Parce que toi, là, je n'avais jamais parlé mal de ton épouse. Jamais. Ou de tes enfants, parce que je les respectais. Je me suis toujours engueulé avec toi, sans stress. Mais comme tu as mis mon mari sur les réseaux sociaux, un monsieur qui ne connaît pas ce qu'on appelle Facebook, YouTube, machin, toi et moi, là, dès que je peux, je t'allume. Et puis, il n'y a rien. Je dis, je te souhaite que ton épouse soit là pour toi si quelque chose t'arrive. Qu'elle te supporte. Que tu fasses 6 mois de coma. Elle te lève. On fait la rééducation. Après, on découvre un cancer. On opère. On ouvre le ventre. On ouvre tout. Tout, 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 tout. Tu fais 4 ans. Moi, je connais tous les hôpitaux de Suisse. Parce que j'ai fait tous les hôpitaux avec le monsieur. Je te dis ça. Je te souhaite ça. 25 ans de mariage. C'est à la vie comme à la mort avec ce monsieur. Parce qu'il m'a tout donné. Je serai là pour lui jusqu'à la fin. C'est une promesse. Ma mère m'a toujours dit,
C'est le monsieur qui a amené ma mère ici. Hein. Ma mère venait tout le temps. Ma mère m'a toujours dit, respecte ce monsieur. Il t'a aimé. Je vais tenir ma promesse. Donc, ce que tu bavades là, c'est pour toi. Je n'ai jamais, je ne suis jamais venu pleurer sur Internet que j'ai tel problème. Il a dit que j'ai fait 4 ans aux hôpitaux, mais on me voyait sur Internet, non. Tu as vu, je me suis plaint. C'est toi qui as amené mon mari sur les réseaux sociaux. Mais personne ne savait. Et tout le monde me voyait rire, faire mes trucs tranquilles. Mais personne ne savait ce que je vivais. 4 ans. Mais j'étais sur les réseaux. Mais je ne passais pas un jour sans aller à l'hôpital. J'ai dit, mais si j'ai passé, c'est maximum 2 jours. Le 3e, je suis à l'hôpital. Je n'ai jamais fait un jour sans passer à l'hôpital. 2e, je suis à l'hôpital. Tout le monde me connaît. Tous les hôpitaux, là, on me connaît. J'ai dit que je te souhaite ça vraiment dans ta vie. Parce que moi, je sais que si moi, j'étais dans la même position, ce monsieur-là serait là pour moi. Parce qu'il m'a toujours adoré. Tu vois, il a tout ce que j'ai voulu, mes folies. Quand je veux une boîte de nuit, je lui dis que c'est ce que j'aime. Il m'a acheté la boîte de nuit. J'ai tout perdu. Il ne m'a jamais lâché. Il m'a encore tenu la main. Restez debout. Hein? Quelqu'un comme ça, on peut l'abandonner. Non, moi, je n'ai pas le mauvais cœur. Je te souhaite ça. Mais comme tu as le noir cœur, tu as le noir cœur, couple de Machiavel. Quand elle peut t'insulter, pian, et puis il n'y a rien. Tu crois que tu vas parler à qui? Donc, sa mère, si elle est voix, tu envoies, non? Tu envoies, je vais poser, pian. C'est ça, je vais poser. Donc, Amalène, ce monsieur n'est pas ton ami. Moi, je te dis ça. Amalène, ce monsieur-là est trop méchant pour être ton ami. D'accord? C'est ça. C'est un méchant. Il aime trop la lumière pour être l'ami de quelqu'un. Donc, quand elle voit Ducamé s'embrouiller, Ducamé était parlé comme une grande soeur. Si tu veux, tu continues. Mais il va te déposer. Nous sommes assis ici, non? Et c'est Internet. Ce qui est bien avec Internet, ça vient tout nous prouver. Il va te déposer. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Donc, sa mère, tu m'as demandé pardon, et que pardon, mais si tu ne donnes pas les voix, ça, tu vas me sentir. Ce que me s'en va dire, c'est nul et non effet. S'il avait raison, quand sa mère a posé les voix, il devait sortir le lendemain, s'expliquer et dire que c'était dans ce cas, je m'excuse. Maintenant, il va aller fabriquer les choses, se victimiser, attendre que, papa, tout ce que tu vas dire, c'est nul et non effet. C'est tout. C'est tout. Ce que tu vas dire, c'est nul et non effet. Tu es un papa Congo, ça méchant, jaloux, aigri. Tout. Aigri, ta bosse a senti ça sur elle, à force de vous fréquenter. La femme de plus vendait ses produits ici, là. Ni vu ni connu, sans problème. À peine. Elle vous a côtoyé. Nous voici assis par terre en train de décortiquer la femme d'autrui. Vu ta bosse. Ils vont vous dire que Nda, Bikoko, Nda, machin là. Ne te mets plus avec le monsieur là. Ces gens-là, il faut les fuir. Ce sont des dangers. Ils ont abandonné Amalène. Ça doit vous parler. Perpétue Maléba, il faut fuir ce monsieur là. Vous tous là. Il ne sert à rien. C'est un couple de méchants. Je t'ai dit non. J'attends que... je t'ai dit que sa femme, elle a menti. Nyokseline, prends l'argent à la réunion, fuis et venez se cacher ici à Bâle. Abandonné. J'ai dit, mais elle a abandonné ses filles d'honneur au Cameroun. La salle du mari n'a pas payé rien. C'est des gens ça. Mais ils vont venir nous remplir les oreilles avec les histoires. Donc il faut, maman, lui ta bosse. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais parlé. Ma chérie, je te parle aujourd'hui là. C'est Dieu qui t'a levé entre les mains des gens là. Fuis seulement, tu continues devant. Laisse-les dans leur connerie là.
Tu fuis loin, tu les laisses, ils ne servent à rien. Comment tu as des gens autour de toi, ils ont le plan avec tout le monde? Si, comment ils ont... Moi, j'ai dit même que les Ndabi Koko, là, pour te parler de Ndabi Koko, j'ai dit que le monsieur a volé l'argent du RDPC, non? Est-ce qu'elle parlait ça derrière? Donc, quand Ndabi Koko va cotiser la caisse, le moment venu, ils vont porter et partir avec. Peut-être ils vont quitter l'Allemagne, ils vont seulement partir vivre en Chine là-bas. Est-ce qu'ils ont honte? Donc, Ndabi Koko, là, enlever les porte-paroles, enlever les, toutes les responsabilités. Ils viennent là comme simple membre. Ils ne servent à rien. Vous, ils ne peuvent rien vous apporter. Rien. Rien. Tu comprends? Donc, Amélie, considère que ce que tu les as... Tu les as achetés le tennis. J'ai appris que tu les as achetés le tennis. Ma chérie, le jour que tu les croises avec le tennis là, tu arrêtes le vieux père là, c'est le lait qui est sur lui. Tu le racles, tu enlèves le tennis là entre ses pieds. Oui, tu enlèves tes tennis entre ses pieds. Avec sa femme là, tu enlèves tes tennis. Comment tu donnes les tennis? Tu les donnes les tennis pourquoi? Non. J'ai dit que le jour que tu les croises à Paris, ils ont les tennis là. Il n'a pas la force, non? Comme il m'a... Voilà quelqu'un qui marche à Paris avec les gardes du corps. Parce qu'il cherche les problèmes partout. Nous, là, on marche à Paris, on est seul. Mais il marche à Paris avec les... Donc, il fait toute la gueule, là. Il n'a pas la force. Tout le corps, là, debout. Zéro, rien. Pas de force. Oui. Il est plus gros que ses gardes du corps. Parce que quand tu regardes ses gardes du corps, il est là, il dépasse ses gardes du corps avec le corps. Mais c'est seulement l'eau et la crème qui est dedans. Rien. Donc, vite à tu les croises avec tes tennis. Tu les racles, tu enlèves ça entre les pieds. C'est tout. Comment tu vas les payer les tennis si ils ne remboursent pas? Tu les racles, puis tu enlèves ça. Tu peux pas donner ça même dans l'orphelinat de Perpétue, non? Il y a quoi là-bas? Oui, ils vont porter. Tu enlèves les tennis là, tu peux, on peut donner dans l'orphelinat de Perpétue. Oui. Ils ont besoin de ça là-bas. J'ai dit que hein, tu racles, fifiou. Je te connais, je t'ai vu, tu ne parles pas, mais il paraît que tu as la force. Hmm? Tu comprends, non? Tu ne discutes pas avec quelqu'un. Il est. Mais ça veut dire qu'il n'a rien. Le corps là, c'est le lait et la crème. Parce que quand tu l'as vu, je l'avais vu avec les gardes-corps à la soirée de Patricia Mel. Tu l'avais vu, non? Le gars est debout comme ça, ses gardes-corps sont petits comme les nains. Mais comment tu es là? Tu es grand comme ça, là. Tes gardes-corps sont petits, petits, petits. Mais tu as encore peur. Tu as encore peur. C'est toi qui as les gardes-corps, mais tu as peur. Je ne comprends pas. Voilà quelqu'un qui cherche les problèmes. C'est lui qui cherche les problèmes à tout le monde sur la toile. C'est lui qui marche avec les gardes-corps dans tout Paris. C'est lui qui traverse pour aller faire le Congo ça au Maroc. C'est lui qui insulte toutes les femmes en bain. C'est lui qui ne laisse pas Buta Boss vendre ses produits. Il part chercher les produits à AliExpress. Il vient nous fatiguer les oreilles. Ndabi Koko, je vous ai dit que ce monsieur ne doit pas être dans votre association comme porte-parole. Maximum simple membre. Il ne va vous construire qu'aucun projet. Aucun projet ne va passer. Vous allez construire des gros projets pour aller aider les villages et tout. Ici en Suisse, vous allez aller donner à la mairie et tout. On va vous refuser parce que quand on va taper son nom sur Internet, on va voir sur ça. Dès qu'on tape Google, sur Parmesan, ils vont taper Parmesan avec sa carte. On tape sur. On le voit d'abord poser comme ça devant la télé. Biwo, Bijo. Un trimopé. Les prostituées venaient ici là. Un moitié, un voleur. C'est bon, ok. C'est qui ici là? Ils vont regarder que je tiens. Ça, c'est qui ici? Toutes ces insultes vont sortir, non? Ils vont dire. Ils vont seulement dire. Ok, non. Projet pas validé. Vous venez, on ne vous explique pas pourquoi on vous a chassé. Parce que la carte que vous avez donnée, on est parti le Google, on a vu un insulteur de talent qui est dans tous les problèmes. Vous croyez que
nos vidéos, les veuves de veuves joyeuses de Natacha de Monaco, Patrice Mel, Amer Kamer, tout le monde, je ne sais pas, bon gosse, je ne sais pas, il n'a pas insisté qui est laissé qui. Vous croyez que tout ça, ce n'est pas sur Internet? C'est sur Internet. Quand tu tapes son nom, ça sort comme une carte de visite. Quand le blanc va aller taper ça, que Ndabi Koko veut les projets, veut l'argent, on va voir. Il vous a dit que le monsieur représentait le. Si le RDPC te chasse quelque part, c'est que tu n'es rien. Hein? Le RDPC, que tout le monde ne veut pas entrer. Hein? Même le RDPC a chassé mes sangs. Le jeune RDPC, non. Il était ici. Que c'est lui qui est président, secrétaire. On a cotisé l'argent pour le 20 mai. On l'a donné, ça a disparu. Les jeunes ont dit, ah! Ils sont partis que chez l'ambassadeur se plaignent. On l'a démis de ses fonctions. On a enlevé la vie du RDPC sur lui, jeté. Que non! On va voler au Cameroun, tu viens voler encore ici là. On a enlevé la vie du RDPC sur lui ici en Suisse, non. Jeté! Il faut le voir faire le bruit. Si le RDPC te chasse, c'est que c'est mort. Tu vas partir où? Kabali, il est parti. Kabali a dit que non, 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 non. On n'a pas assez ici, ne viens pas voler ici là. Il est parti, il voulait racoler chez Cabral. Kabali a dit que non, 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 non. D'abord, ici, nous on se cherche encore. Il n'y a encore rien. Tu vas encore venir. On te dit que sur le RDPC, tu voles. Donc ici là, tu vas faire comment? Nous on se cherche encore. Ça s'est arrêté en route. J'ai dit que si le RDP te chasse, c'est que c'est mort. Un parti que personne ne va aller. Tu pars là-bas, on te chasse, on enlève les habits, on tape à terre. On dit que non, 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 tu vas me voler. Faut partir. C'est bon. Donc le RDP s'est là chassé. Pour l'argent de cotisation du 20 mai, non. On a cotisé que. Vous savez, il y a toujours la fête le 20 mai. On a cotisé. Vous connaissez les jeunes, non? Ici, en Suisse, on parle pas beaucoup. Les gars sont partis quand on se plaindre. Si le RDPC te chasse en main. Le RDPC te chasse en main. Le RDPC. C'est que c'est fini. Non, c'est terminé. C'est fini. Il raconte en politique la salade. C'est comme ça qu'il est avec nous, non? C'est ça qu'il a accroché sur nous. Il a accroché sur nous. Nous, les gars là, dès qu'une fille ouvre sa bouche sur le net, paf, il pose sa caméra. Il te donne les leçons. Dès que c'est un homme, il fuit. Même son frère Amer Kamer. Amer Kamer, que quand il m'énerve, je le rate. Je le ratisse ici là. Il part, il traverse l'océan pour aller payer pour insulter Amer Kamer. Eh non, c'est pas pitié ça. Amer Kamer. Toi, tu, Amer Kamer s'insulte avec du Kamer des années. Du Kamer va encore dire quoi sur Amer Kamer qui ne disent pas tous les jours. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Tu viens mêler un jeune comme du Kamer dans des conneries. Hein? Donc, moi, je vous dis. Moi, je vous dis. C'est un couple, c'est le couple le plus honteux de la toile. C'est le couple le plus honteux de la toile. Tout ce qu'ils vont dire, ça doit entrer et sortir. Dès qu'ils sont dans une activité, sachez que tout le monde aura les problèmes. Tout le monde aura les problèmes. Parce qu'ils vont déranger. Voilà. Quand vous voyez d'abord un homme, il n'a pas de couleur. Sa couleur n'a pas de direction. Même Amer Kamer fait le maquillage, on voit quand même la direction que ça prend. Oui, j'ai vu le maquillage d'Amer Kamer, c'est quand même un peu, hein, ça a quand même la logique. La couleur d'Amer Kamer, voilà, on voit quand même que non, le Ndian San prend quand même bien, hein, ça a quand même la direction. Mais le Ndian San ne part, Ndian San, on ne connaît pas où ça part. Un côté est vert, un côté c'est comme la mandarine. Et le gars est comme ça. Au lieu de se respecter, il porte une veste rose, il tape dessus. Nyorceline, tu ne l'avais pas vu sortir de la maison. Comment vous êtes aussi comme ça? Et puis c'est toi qui vas dire que mon mari est beau, tout le monde veut coucher avec lui, tout le monde l'aime. Un homme en veste rose, qui va vouloir coucher? On dirait
Il ressemble à Nga. On peut même le confondre au Tchélé. Il était là comme un Tchélé. Avec ses cheveux qui brillent. Le pire, c'est qu'il porte encore la laque. Il lisse ses cheveux avec. Oh mon frère. Il lisse avec la veste rose sur lui. On peut le confondre à un Tchélé. Il dit qu'il est sorti de la maison en Gognor. Sinon, tu l'as laissé passer comme ça. Il faut lui dire qu'il ne met plus les vestes roses. Hein. C'est pas joli. Hein. Laisse-le en noir là-bas. D'abord, sa couleur est dangereuse. Sa couleur, ça dérange. Donc, quand tu portes encore la veste rose, tu mets dessus avec la laque. Merde. On dirait les anciens dessins animés, la pipi. C'est pas bon. Comment? Non, ma chérie. Si tu aimes ton mari, prends sa veste rose là, tu jettes ça, tu envoies ça au pays. Non, n'envoie pas au pays, les gens ne portent pas ça là-bas. Même au pays, aucun homme ne va porter la veste rose là-bas. Parce que même les vestes roses que les gars portent au pays, ça a de la classe, ça a de la gnaque. Tu vois ça, c'est propre. Et il porte la veste verte. Il prend le nœud papillon rouge, il tape dessus. Je dis, on vous a fait quoi? Non! Faites un peu d'effort! Ma chérie! Tu viens et te donner le coup d'habillement, non? Comme sa couleur est comme la mandarine, là. Tu prends une veste noire ou une veste bleu marine. Ça habille l'homme. Comme il aime le Congo ça, quand tu es dans un bleu marine, ta bouche de Congo ça, on ne voit pas ça bien. Hein? Tu mets ça sur lui. Tu mets une chemise blanche. D'accord? Puisque ses cheveux ont la laque, ça va ressortir sur le truc bleu. Hein? Les nœuds papillons, la laisse. Ça le grossit, ça ressort sur ses joues. Oui! Il a d'abord la tête comme le gorille. C'est trop rempli, c'est trop large. Quand il met encore le nœud papillon, ça fait encore sa tête plus large. C'est encore trop large. Donc tu enlèves le nœud papillon, tu le laisses propre. Tu enlèves. Il pose une chemise blanche. Posée. Hein, comme ça, avec bleu marine. Une belle petite chaîne. Il met ses lunettes, comme il aime les lunettes, ses cheveux en lac là. Petite chaussure, propre. C'est fini, c'est pas fini. Mais à minuit là, il était le seul qui avait la veste rose là-bas. Tu n'as pas remarqué ça. Tout le monde le guettait comme un dessin animé. On dirait l'arbre de Noël. On dirait que Flo avait décidé de mettre un arbre de Noël au milieu de sa salle. C'était comme un arbre de Noël. Il était comme les papas Noël là, qui donnent les cadeaux là. Tout le monde le voit avec sa veste verte, orange là. Non, c'est pas bon. Oh. Bon. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Merci à tous. N'oubliez pas, tous ceux qui veulent aller à Abidjan, n'oubliez pas, village du continent, c'est prêt. Et le clip de au peu tard, ça soit après Noël. Vous étiez plus de... quand je compte TikTok et Facebook, vous étiez plus de 3000 personnes. Merci beaucoup à tous. Et bon après-midi. Vous étiez presque 2700 sur Facebook et sur TikTok aussi. Merci à tous et bonne soirée. Joyeux Noël. Et s'il y a les voix, on me dit encore de compliquer. Il n'y a rien. C'est tout. Bonne soirée. Merci à tous. Ça chauffe pas. Libérez Apollonie Ngono. Merci.